boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Ah, sur celui-là. Et bonsoir à tous avec cette petite intro Cardel, cette petite transition Cardel. Bienvenue dans 100% comestible. Comment ça va, Noir? Super, et toi? Bah ça va pas mal, ça va pas mal. On espère que vous allez bien également. Alors, avant d'accueillir nos invités de ce soir... Quel est le planning d'abord? Oui, quel est le planning? On va accueillir donc Kilis et Chaka tout à l'heure, qui vont nous parler d'un joli projet qui va se dérouler à Nantes. Ensuite, on va vous quand même faire un petit récap de qu'est-ce qui va se passer ce week-end et avant. Qu'est-ce qui s'est passé juste avant. Ensuite, on va pouvoir jouer une game. Donc, il y aura Kilis et Chaka qui vont pouvoir jouer avec moi-même une petite game. On va vous faire rentrer dedans. On vous mettra ensuite des vidéos à la noix. Puis une petite game où ce sera Chips qui jouera. Donc, on n'a pas de joueur pro ce soir, mais vous étiez au courant. Oui, mais c'est pas grave, Kilis et Chaka ont un bon niveau, hein. Je crois qu'ils pourront nous dire ça eux-mêmes d'ailleurs. Bien vous roulez dessus. Mais alors moi avant tout, donc le week-end prochain, on en parlait justement tout au long du week-end passé. Tout à fait. Passé prochain, voilà. Il va y avoir les play-offs donc, de la LCS. Alors qu'est-ce qui se passe donc, que ce soit pour les US ou pour les Européens? Eh bien pour les Européens, rendez-vous, alors c'est marrant parce que les US jouent deux jours et nous trois. Ce sont les plus importants. C'est assez bizarre. Donc, bref, on commente vendredi à partir de 15h si les horaires que j'ai trouvés sont ouais. exacts. Et donc, on aura le droit aux quarts de finale. Donc, les quarts de finale, c'est quoi? Eh bien, ce sera... SKA. Alors, SKA. En BO3. Ouais. Et de l'autre côté, IG Worlds. Et donc, le vainqueur de SKA rencontrera Gambit Gaming et le vainqueur de IG Wolves rencontrera Fnatic. On peut avoir des surprises. Franchement, moi, les Wolves, je me dis qu'ils peuvent créer la bonne surprise. C'est ça. Alors, chez les US, Noah, ce sera Dignitas versus Good Game University, c'est ça. Le vainqueur du quart rencontrera Curse en demi. Curse, les leaders des LCS nord-américaines. Et l'autre quart, ce sera CLG contre Team Vulcoon. Et le gagnant rencontrera TSM en demi. Alors, qu'est-ce qui se passe après, non? Parce que c'est bien d'avoir des quarts, après, des demi. C'est un énorme bordel. Hein. Alors, non, après, alors moi, je l'ai compris. Donc, après, en fait, ce qui se passe, c'est tout simplement les deux équipes sur chaque continent qui auront perdu en quart devront jouer les up and down avec les deux dernières équipes des LCS, donc à savoir les Giants et les Dragonborn, avec toutes les équipes amateurs et sorties du circuit qui ont gagné des points, etc. Et les quatre autres équipes, en fait, sont toutes celles qui sont en demi sur les deux continents, sont qualifiées pour la deuxième phase des LCS, où là, en fait, toutes les équipes, les huit équipes qui seront prises, joueront vraiment leur place pour les finales de la saison 2. Donc les deux premières, voilà, les deux premières places seront très importantes. Donc ça apporte quoi d'être en finale parce que ceux qui sont demi passent. Ceux qui sont demi passent. Donc celui qui gagne ses demi, qui arrive en finale, il gagne quoi? Il est mieux classé? Il a un match de moins? Alors ça, par contre, j'ai pas la réponse, j'ai pas réussi à trouver. Mais il n'y a pas tout qui. Enfin, moi, ça reste option dans ma tête. J'imagine qu'il y a une question de seed, mais voilà, faut savoir que vraiment, les quarts sont hyper importants, en fait. Et bah, déjà, les deux équipes qui sont en demi de chaque côté sont hyper bien parce qu'elles sont assurées de disputer la deuxième phase, tout simplement. Et donc d'avoir leur chance pour la S2. Par contre, pour les équipes en quart, il va falloir jouer leur vie. Parce que ceux qui perdent, voilà, doivent en plus jouer un autre tournoi à côté. Ou tout simplement, il va y avoir beaucoup d'équipes qui vont avoir les crocs. Donc, c'est ce qui nous attend tout le week-end prochain. Et donc, pour les US, c'est samedi, dimanche. Et pour les Européens, vendredi, samedi, dimanche. Et donc, vendredi, 15h, on vous fournira tous les autres horaires après. Donc, après ce petit intermède LCS, on va passer donc à nos deux invités. Donc, Kilis, Chaka, venez vous asseoir, on vous en prie. Merci. Cardel à l'area ce soir. Alors déjà bonjour et merci d'avoir fait le déplacement depuis Rouen, Chismadi. Oui c'est ça. Ah, vous étiez motivé hein. tu me fais non, on n'habite pas à Paris mais on va venir. Je fais ah bon d'accord, ben écoute. Nous on demande que ça, hein, déjà en plateau, on préfère largement. Et alors du coup si vous pouvez présenter. Vous présenter toi, déjà. Vous présenter, puis ensuite présenter votre projet. D'accord. Alors moi c'est Kilis, je suis une joueuse de League of Legends. Je suis également cosplayeuse. Vous vous souvenez peut-être de Kilis. D'ailleurs, si vous dites,
je les ai vus, mais je les ai vus. Bah, vous avez vu à pas mal de cosplay, Paris Games Week, Tale of the Land, ouais. Art to Play. C'est ça, oui. Mais je ne connais pas les autres, peut-être Japan Expo. Mais toi, Chaka, ton costume phare, c'était le Chaco. Ouais, c'était Chaco, ouais, effectivement. Les gens ont bien apprécié, c'était vraiment sympa. En tout cas, je remercie les gens qui ont dit que c'était un beau cosplay, parce que bah, c'est Kilis qui l'a fait. Et voilà. Doué quand même, hein. Et c'est toi-même qui t'es fait donc ton cosplay Cyr Bandit. C'est ça, c'est oui. Ça oui. Ouais, les deux étaient vraiment, gagnant de la ouais. Paris Games Week. C'est ça. C'est ça, oui. C'est ça. Alors du coup, c'est quoi votre parcours sur LoL? Toi, je sais qu'Ilis, que t'as fait des équipes et que t'essaies de jouer quand même à un niveau très correct. C'est ça. Bah, je suis actuellement diamant 4. Voilà. Par contre, voilà, j'aurais pas la prétention d'être diamant 4 sur tous les postes, mais je gère vraiment mon support. Je me débrouille dans les jeux. Là, tu fais un euro. Voilà. Alors là, Noa, bon. On est deux heureux, parce qu'on a un chaco et un support. Voilà. Pas un petit joueur à tout ça de fait. Chiffre, ça a voulu me faire plaisir avec des invités super cool. Tout à fait, voilà. je pense à Noa. C'est pas encore mon anniversaire, mais ça approche. Je pense à Noa. Mais ouais, bah moi, je joue depuis la bêta. J'ai essayé les bêta en anglais. Au début, j'étais pas trop chaude. Bah, après, une fois qu'elle est sortie en français, c'était génial. Comprenais un peu mieux le système du jeu parce qu'au début, c'était un peu flou. Et bah, de fil en aiguille, j'ai commencé à bien accrocher. J'ai fait des LAN. Ma première LAN, c'était la Galloween en 2011. Et à partir de là, bah, j'ai chopé le virus en fait. Et c'est vrai que je suis beaucoup présente dans les LAN avec mon chéri et avec une équipe de potes en fait. On est vraiment des potes. On aime vraiment se déplacer et aller vraiment vers le public et les joueurs quoi. D'accord. Et alors toi, Chaka? Bah alors moi, je suis diamant 1, donc j'ai fait plusieurs. J'ai fait plusieurs rôles. J'ai raté mon challenger, malheureusement, mais j'ai fait plusieurs équipes. Comment équipes. Ça se passe le challenger d'ailleurs? Ah, c'est la misère. Alors le challenger, c'est plus ou moins concret ou pas. Ça veut dire que il y a 50 places dans le challenger. Et c'est pif pif, ça c'est toi, ce sera toi qui dégage du classement. Okay. Les 20 premiers sont sûrs de rester, et du 20 au 50e, c'est tu peux dégager. Pour rentrer, c'est pareil. En fait, c'est le seul endroit où il n'y a pas de pitié au niveau des rétrogradations. C'est ça, ouais. C'est là, là, c'est vraiment les 50 meilleurs joueurs. Et faut prouver. Et bah d'ailleurs, on voit souvent que les gens, les dernières places se disputent. On voit des gens rentrer, qui sortent, qui rentrent, qui sortent. Et c'est vraiment compliqué d'y rentrer en fait. Donc faut bien sûr gagner le BO5 du diamant. Et c'est vraiment compliqué. D'accord. Et alors du coup, vous avez eu l'idée de monter un bar gaming à Nantes et vous avez eu la superbe idée de passer par du crowdfunding. On l'a fait avant. Alors racontez-nous votre démarche, votre projet. Est-ce qu'il a un nom déjà? Oui, il a un nom. Ce sera le Game Over. D'accord. Bah, très jeu vidéo. On va tous finir au Game Over. Enfin, c'est pas mal. Game Over. Ah, un shooter vraiment. D'ailleurs, on a peut-être prévu de faire un shooter. Peut-être game un shooter Game Over. Il y a Mélan à Paris qui a le Ranch chez ta mère, qui est pas mal, donc un Game Over. J'avoue que chaque bar devrait avoir son finisher. Ouais. Là, c'est le finishim, le Game Over. On prévoit ça quand même. L'ultidarius. Ouais, voilà, un petit ultidarius. Donc voilà, donc là on voit votre page où vous expliquez tout le projet. Donc bah dites-nous tout, d'où ça vient, pourquoi l'idée, quelle est votre démarche? Bah alors on a eu cette idée donc en janvier, enfin ça nous trottait dans la tête depuis un petit moment et puis on s'est dit on aimerait bien vivre de notre passion en fait tout simplement et puis on s'est dit comment on pourrait vivre de notre passion, on s'est dit pourquoi pas faire un bar où on se réunit pour réunir une communauté. Vous avez pris 1 000 euros depuis que j'ai regardé. Non, je pense que c'était 1 800. Peut-être, je ne sais plus. C'est vrai que je ne regarde pas plus que ça. Mais du coup, on était quand même contents par rapport à un projet, comment ça s'est déroulé. Donc en fait, on a trouvé un local assez rapidement dans le centre-ville de Nantes, pour ceux qui connaissent. Donc ça se situera, on ne dit pas l'adresse encore, mais vers la place Maréchal Foch. Donc en face du... Si vous connaissez le coin, c'est par là. Donc voilà, après la démarche, le local, les banques, l'accord avec les banques. Et puis on s'est rendu compte que pourquoi pas faire participer la communauté avec My Major Company. La question, c'est pourquoi demander que 10 000 euros, sachant qu'un bar, ça coûte une blinde. Alors c'était vraiment pour faire participer la communauté. En fait, on crée ce bar, c'est vraiment pour la communauté plus que pour nous. Enfin, bien sûr que c'est pour nous, mais on veut que la communauté s'y sente bien avant toute chose. Et donc on s'est dit, si la communauté veut s'investir dedans, on va voir si elle répond présent ou pas. Donc bien sûr, on a mis 10 000 euros, on a besoin de 30 000, mais c'est vraiment un coup de pouce, My Major Company. C'est vraiment pour nous aider. Ça plus débrouillard que nous à l'époque. Vous êtes allés faire des emprunts. Nous, on n'a pas osé. J'avoue qu'on n'a pas osé. On n'a pas eu les burnes.
Mais voilà. D'accord. Et alors toi, Kilis, dis-nous un peu ta vision du projet, ce qu'on en pense. Alors, c'est pareil, c'est un peu moi qui ai lancé l'idée comme ça au hasard. Au début, c'est des paroles en l'air. Voilà, on se dit, oh bah tiens, on ferait pas ça là. Comme tous les gens pourraient. Allez, Dieu, vous toutes les choux dans le bar. C'est un peu la même histoire pour qu'on fait tuer des nous. Hein. C'est un truc lancé en l'air quand on est bourré ou quelque chose comme ça. Et voilà, quand on se sent bien. Ou après un event, hein, je crois que c'était après les Art to Play, je crois, qui était au mois de décembre. Donc après, on s'est dit, pourquoi pas. On s'est renseigné, on a vu à peu près. Moi, il faut savoir que je travaille, j'ai un vrai boulot. Je ne vais pas quitter tout de suite mon travail parce que malheureusement, on ne pourra pas retirer 3 salaires tout de suite. Le projet est beau, mais il faut rester réaliste. Donc moi, je suis un peu celle qui s'occupe de toutes les démarches administratives, surtout. Alors, c'est galère ou... Ah oui, c'est... Ouais, y en a, alors, quand vous êtes allé à la banque demander un prêt pour un bar gaming, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Alors, la première démarche était la chambre du commerce et de l'industrie. On est arrivé chez nous, vers Rouen. La personne était super emballée, sauf que notre projet, c'était à Nantes. On a été voir la personne de Nantes, derrière son bureau, en costard, la chemise beaucoup trop serrée. On avait l'impression qu'il allait tout faire, le type. Et puis, on lui parle de nos projets, il fait « Ah ouais, mais non, votre truc-là, il ne marchera jamais. Faut penser à autre chose. Des bars à Nantes, il y en a plein. » Ok, bon Ça fait un peu penser à la vidéo qu'on a fait. Oui, c'est ce que j'allais dire quand les investisseurs ils vous refusent. C'est vraiment ça, hein. Le bonhomme il était cash, il était non. Donc voilà, et les banques, non, on a la chance d'avoir un super agent immobilier qui nous a trouvé le local et qui s'occupe très bien en fait de tout ce qui est démarches administratives. Il nous a trouvé notre expert comptable qui donne de très très bons conseils également. Franchement, je pense qu'on a vraiment eu beaucoup de chance sur ce projet. On a vraiment été entouré de partout et on a eu les bonnes portes qui sont ouvertes au bon moment. D'accord. Et puis on a eu des personnes vraiment qui étaient réceptives au projet dans le sens où ils étaient vraiment à fond dans le projet en fait. Enfin, ils comprenaient l'engouement et ils font bon, ce projet il marche. Je pense que l'agent immobilier il a dit là, ce bar il va marcher. L'expert comptable il a dit la même chose. Le banquier il s'est dit bon, si les deux autres ils sont d'accord, enfin s'ils sont partants, allez moi aussi d'accord. Je me lance quoi. Pour la petite histoire, il y a juste le brasseur aussi. On a trouvé un brasseur, lui-même est joueur en fait. Donc du coup, dès qu'il a su ça, ils vont d'ailleurs participer financièrement au projet et nous fournir forcément les bières artisanales. C'est bon trip. C'est cool. On a eu vraiment beaucoup de chance. Alors, est-ce que vous avez goûté la bière? Est-ce que la bière est bonne? Ouais, la bière est très très bonne, moi je confirme. D'accord, ok, c'est cool. Et alors, il est hyper détaillé votre projet, il y a même les plans et tout, c'est vraiment sympa. Donc voilà, n'hésitez pas à aller lire vraiment, c'est sur ma major compagnie, vous tapez Game Over, Barcraft, des trucs comme ça, je pense que vous trouvez dans tous les cas. Et si vous avez envie de participer, n'hésitez pas. Alors oui, dernière petite question avant qu'on passe au game, pourquoi Nantes? Alors, parce que Quentin est originaire de Nantes. Ouais, donc en fait, on est deux Nantais. Donc, la troisième personne qui n'est pas là actuellement, il est Nantais, j'étais Nantais. Et il y a la Art to Play, donc vous y étiez. Vous avez pu voir le nombre de gens qui étaient là-bas. Il y a les Utopiales aussi qui ramènent beaucoup de gens, qui attirent d'Angers, de Rennes notamment. De toute façon, c'est une ville étudiante. C'est une ville étudiante et une ville de gamers surtout. On le voit au niveau du nombre de LAN. Il y a des écoles d'Angers, des écoles de commerce là-bas. Il y a des écoles de commerce. C'est vrai. Il y a une belle clientèle de base sur place. Hein. C'est pour ça, des IUT, il y en a plein. Puis dans l'année, je crois qu'il y a au moins bien 6 à 7 LAN qui se passent à Nantes. Il n'y a pas Pomp. Non, mais heureusement, Pomp, il coule des bars. Pomp, il cherche des bars, puis il va trouver le bar, il va réussir à avoir des tarifs ou un open bar. Il va s'y greffer et sucer tous les litres d'alcool. Mais on n'a pas peur, on a mis une contrepartie en open bar. J'ai vu. Il y a des contreparties qui vont pour les. Pour la soirée d'inauguration, etc. Donc il y a vraiment de tout. Oui, on a essayé de varier, vraiment. Ouais. Non, c'est sympa. D'accord, et c'est quoi Hero? Alors Hero, en fait, vous participez, vous avez un déjeuner avec nous, donc offert, en plus des contreparties bien sûr précédentes, donc la place VIP, les boissons qui sont proposées dans le champion et le Jedi. Et vous participez à la création d'une recette d'un cocktail et au nom en fait. Ah, tout simplement. Cool. C'est intéressant. Moi j'ai dit que je mettrais au moins 10 euros pour afficher le grand noix premier sur l'affiche, sur l'ardoise.
tous les gens qui arriveront, ils lèveront leur tête vers la doigt, genre. Il était là. C'est vrai qu'on a trouvé cette idée sympathique, le fait de montrer les noms ou les pseudos, parce que certains ne veulent pas afficher leur nom. Au niveau du tableau, on a trouvé ça sympathique. Je fais une photo comme ça. D'accord. Eh bien, écoutez, donc là, bon, on rappellera plus tard votre projet pour des gens qui arriveront du coup, éventuellement. On va se mettre à lancer la game. Oui, tout simplement. Pour donc, le temps d'en faire deux. Vous pouvez revenir à vos postes. Bah. Chakakilis, merci beaucoup pour les explications. Donc on espère que éventuellement ça vous a tenté ou autre, n'hésitez pas à leur filer un coup de main. Et donc j'ai quelques noms à inviter. Et je vous ai invité, vous êtes dedans, en chacun est dedans. Pizza aussi. Pakilis. Alors on vous a mis du gros joueur et vous. Le bon Copitz. Oui, qui est un excellent joueur, vraiment. Alors Kilis, est-ce que tu as eu mon invitation? Ça bug. Ça arrive malheureusement. Rien vite. Ouais, attends, je vais faire ça. Donc toi, le week-end finalement, c'est un nom chargé. Ouais. Mais alors par contre, autant par exemple sur la fin, les deux dernières semaines d'essai, je commençais un peu à tirailler, à accuser la fatigue, la répétition des week-ends, etc. Autant là, il va y avoir tellement d'enjeux, parce que au bout d'un moment, il n'y avait plus trop d'enjeux sur la fin. Là, il va y avoir tellement d'enjeux. Les teams vont jouer à fond, se sont entraînés, etc. Je pense que toutes les choses physiques qu'elles ont gardées, c'est tellement important en fait de passer ces quarts de finale et d'arriver en demi qu'elles vont tout donner. Ouais, et il y a moyen d'avoir des trucs explosifs. Par contre, pour les Fnatic et les Gambit, c'est tranquille. Hein. Enfin, on va dire. Ouais, je sais pas si c'est. Je sais pas quel avantage ça donne. Ça doit quand même donner un bon gros avantage d'arriver en finale et de la gagner. Ouais, sans doute. Ouais. Mais. C'est. De toute façon, c'est les deux gagnants des deux demi qui passent. Ou c'est dès que t'es en demi, ça passe Dès que t'es en demi, en fait, t'es compté comme participant de toute façon à la phase numéro 2. Qui qualifiera, donc on vous le rappelle, pour. Parce que je sais pas c'est quoi l'avantage, mais les games de demi, elles vont être tellement dures. Genre, à mon avis, on va se taper un petit Wolves contre Gambit. Tu penses que les G vont se faire battre par les Wolves? Je sais pas. Alors, le nom de la game, on a encore deux places, donc ils joueront à la rapidité. Le reste, on a invité sur le Facebook. Donc, le mot de passe, c'est Popo. Voilà. Et bon, la game, c'est Arcanum's Game. Voilà. Donc, Popo. Il y a Stébel qui va rentrer dans la game, c'est un peu tard, mais la prochaine. On rappelle que Stébel est le pseudo de Georges. Stébel est le pseudo de Georges, en effet. S-T-E-B-A-E-L. Et pareil, il a reçu des invites, il en a accepté une grande partie, il en a refusé d'autres. Si vous avez envie de jouer avec lui, il monte son compte en ce moment, c'est cool. Mais vous voyez, on a rapetissé Kilis et Chaka. Là, pour que. Ah, là, on les a grandis. MK Soznot. MK Soznot. Ah, bah. Je sais pas comment il fait. Non, je sais pas non plus. On est bon, vas-y, c'est moi qui joue. Bon, donc, c'est moi qui joue. Alors, Chaka Kilis. Bon, le but en général, c'est de faire le beau jeu. On commande suffisamment de games sérieuses le week-end. Donc, n'hésitez pas à vous lâcher si vous avez envie d'essayer un truc ou autre. C'est gratuit, ça mange pas de pain. Et nous, ça nous fait plaisir. Et d'ailleurs, quel pic pourri je vais pouvoir faire prendre à Noah. T'as envie de quoi? Mais de toi, mon amour. Oh. Non, alors, plus sérieusement... Oula, c'est pas ce que je vais prendre. Ah non, interdit. Non, petite... vas-y, randomise un peu. Oh là là, mec, full perso tryhard. Joue Yori dans la jungle. Ça sert vraiment à rien. Ouais, c'est nul, ouais. Non, ça sert justement, c'est pour te voir rager. Non, je peux même pas m'amuser. Mais j'ai pas dit que ce serait drôle, moi. Garen. Ah, il y a un Garen en face, ça veut dire. Il y a un Malphite en face. C'est marrant comme strat. Tu veux savoir ce qu'il y a? Z, laissons tomber. Il y a un Teemo. Je vais aller au top, du coup. Joue Nami top. Là. Ok. Vas-y. Ça me plaît. Nami top, il y a de l'idée. Il y a quelque chose à faire. Donc, on vous rappelle, si vous arrivez en cours de route, nos deux invités, Chaka et Kilis, qui ont. Chaka qui est quand même Diamant 1. Et Kilis qui est quand même Diamant 4. Donc voilà, deux excellents. Un excellent joueur, une excellente joueuse. Et d'ailleurs, Kilis, si je me trompe pas, t'étais passé par la team Eclipsia, des choses comme ça, non? Ouais. Donc Kilis qui a un petit parcours dans les teams féminines françaises quand même. Je suis content. Oh, je vais me faire défoncer la gueule. Vous jouez à quel poste, là? Vous avez choisi quoi?
T'as pris un truc. Et toi, Chaka? Moi, je joue Jungle. Ah, tu veux. Ouais, vas-y. Non. Avec un Jungle conventionnel. Ah, j'ai pas osé, j'ai pas osé. C'est très beau jeu. Et très beau skin aussi. Je regrette de pas l'avoir acheté au moment où il était disponible. Mais mec, tu les as tous, je crois. Les... Non, à part celui-là. Non, je l'ai pas celui-là. Il a vraiment. Il est une moustache. Et... Ah ouais, mec, il a une moustache de saignée. Il a le sourire Colgate. Hein. C'est assez énorme. Equilis au support. C'est au dentier que tu remontes avec le petit machin qui sont sur deux pieds là. Ah ouais, carrément. Ouais. Et donc Kopitz au Tariq. Intéressant, Noah. Va-t-il te donner une leçon de jeu avec son Tariq? Surtout, il le joue son Tariq. Il va le jouer mid. Je crois qu'il va le jouer top, mec. Il va le jouer top. Il m'a dit la dernière fois qu'il était en train de train Tariq au top. Donc ça va être Kopitz contre Noah au top. Ça va être génial. Ah, je vais adorer. Il joue dans les meilleures conditions, mec, j'aimerais dire. Si tu te fais taper, mec. Je pense qu'il n'est pas si mal contre Nami. Hein. Bah, je sais pas, t'as un range quand même. Hein, mais t'as un range, t'as une bubule pour casser normalement sa capacité d'aller au corps à corps. De toute façon, Noah, tu sais très bien que la pression et la honte seront sur toi. Mm-hmm. Si jamais ta famille te déshonorera. J'ai essayé Nunu Top tout à l'heure. Bah oui, bah, quand on l'a joué, j'ai joué Darius Mid. Ouais. On l'a joué sur des comptes un peu pétés, genre des comptes gold. Des comptes silver. Silver et bronze. Oh la vache, qu'est-ce que c'est drôle. J'avais un Volibear en face. Ah ouais. Le pauvre. C'est ça. Et moi, au mid, j'ai joué contre un Fizz en mode Extinct contre Tabs. Skin comment offert d'ailleurs? Quoi, Nami? Alors bon, j'imagine que c'est fait pour, mais ça me fait toujours penser à Konami. Ah ouais. Que j'avais jamais pensé. Non. Alors moi, c'est vraiment le truc, quand j'ai vu Konami, je me suis dit, ah, la grosse pub pour Konami. Ouais, ça aurait dû mettre Noanami. Ouais, ça m'a fait plaisir. Ah ouais, ouais, c'est vrai. Pour au moins commencer par la même lettre, les deux mots. Non, ça aurait été un concept super intéressant. Moi, je suis totalement d'accord. Et Adwilan qui a. Eh bien, qui joue sur un Minitel. C'était Game Boy Color. Ça a l'air très dur. Un petit 256K couplé à un Minitel. 56K là. C'est pas 52K, attends, 56K. Non, c'était. 56. C'est vrai, c'était 56K. 56K, après, on confirme 56K. Ouais, ouais. T'avais le 512, t'avais le 256. Ah, j'ai commencé au 56K. Ouais, moi aussi j'avais ça. Et après, je crois qu'avec le 512. Je jouais à Diablo 2, je crois, là-dessus. Moi, avec le 512, je jouais à une balle tournament sur le net. Diablo. C'était. Ah, c'était vu pas que mal. Je jouais Nécromancien, dès que j'avais trop d'invocations, je buguais. Logique. Faut dire qu'à l'époque, les PC étaient tellement pourris. Tiens, je vais lui sortir. Petit élixir rouge comme starter. Non, la bonne bottle. La bottle. Et donc, Noah qui part sur la top lane. Et donc, je pense vraiment que c'est. Bien, bonsoir à tous les gens qui jouent. Voilà, et bonsoir à tous les gens qui regardent, bien sûr. On est content que vous. Vas-y, Kopitz va me battre parce que je joue sur le plateau, ça va me saouler toute la soirée. Je refuse de lose contre Kopitz. Je lui mets la misère 40 millions de fois depuis chez moi. Ouais, bah, mec, va falloir que tu joues ta vie tout simplement parce que sinon il aura un achievement, Kopitz. Et toi aussi, tu auras un achievement, celui de t'être fait rouler dessus en direct par Kopitz. Donc en fait, pour chacun de vous deux, c'est un peu votre honneur qui est en jeu, Noah. Tiens, regarde, dégage. Oh là là, Kopitz. Oh là là, Kopitz! Et va flash. Ah, oh, Kopitz! Le grab! Oh, il se heal incroyable, il est trop tentu. Et flash out. Il a quoi comme stuff? Il part sur pote rouge. Tu vois, ce trou de balle, il a joué AD. Peut-être, hein. Peut-être. En tout cas, il fait le beau jeu. Bon, Tariq top, c'est pas très courant. Ah, vous allez faire les loups. Non, okay. C'est qui votre jungler? C'est le Kha'Zix? C'est Kha'Zix. Ah, c'est Kha'Zix jungle. Intéressant. Kha'Zix dans la jungle, c'est le truc que j'avais joué quand on avait fait la team POC avec Skyheart. C'était plutôt sympa. Bon, Zix dans la jungle, Chaka, t'es confiant? T'as déjà testé la chose ou... En LAN. En LAN? Tu l'as joué en LAN? Ah, t'es balèze, hein? Ah, t'en as sacrément. Là, du coup, c'est parti. Noah qui va aider. Vas-y. Son jungler. Alors, ce qui est pas mal, c'est que j'ai l'écran de Killis là-bas, donc de loin, je peux aussi commenter ce qui se passe. Dans la team en face de toi, Noah. Donc toi, t'es bleu, et en face, ils sont rouges. Voilà, donc je vais un peu faire la navette, je pense, entre tous les trucs et regarder. Et bien sûr, Noah nous donnera ses impressions après chacune de ses morts en 1v1 face à Kopitz. Je pense que ce sera... C'est vraiment le point très important du match, la pierre angulaire, j'ai envie de dire. Si je le first blood, je vais l'insulter pendant des jours. Ah bah, on va voir, hein. moi je suis... Fais voir, est-ce qu'il y a de la paix? Est-ce qu'il y a de la D? Clique sur lui. Ah, il a de la paix. Ah, il a de la paix. Il part quand même pote rouge.
Ouh là là, le premier élastique de noix qui passe, ça augure de très bonnes choses pour la suite des opérations. Et on vous rappelle bien sûr qu'après cette émission, il y a Ray Gunners sur Shootmania et que les deux commentateurs, eh bien, ce seront Noah et moi. N'est-ce pas, Noah ? Oui. Nous aurons l'honneur de commenter. Yoshio ne sera après, pas là. Mais on tentera de le suppléer. On va faire un petit fun mode histoire de. C'est ça. Bah, comme d'habitude, hein, le programme des émissions. Et attention, Chaka qui se fait counter jungle par Kha'Zix. Intéressant. Oh là là, Noah qui prend la sauce. Noah qui prend de bons dégâts. La bubule qui passe. Le 1v1. À la vie, à la mort. Copisse Noah. Le heal. Là, en fait, vous jouez tous les deux des healers. C'est sympa. Oh, il a pas de flash. Copisse, il est dans la merde. Il est dans la merde. Est-ce qu'il va pouvoir s'en sortir ? Il a utilisé sa red pot, je crois. Le stun qui passe, il pourrait peut-être tuer le Kha'Zix, Noah. Oh, Copisse qui est dans la tournante. Noah, va-t-il flash ? Pas de flash de la part de Noah. Tu prends quand même sacrément la sauce de la part des creeps. Ouais, des creeps, ils m'ont fait très mal. C'était très très chaud. Ils m'ont bien défoncé la face. C'était très très chaud. Tandis qu'en face, eh bien sur la bot lane, Ah, mais il y a eu le problème, Copisse, ça a claqué ton élixir, il était parti comme un lâche. Et du coup, tu vas up quoi ? Le heal pour Arras ? Poc. Ah, j'avoue, c'est bon, ça fait pas non plus dégâts de ouf, hein, mais. Non. T'aurais pu la jouer AD. C'est Crafty qui avait déjà testé Nami AD. Ouais, je pense vraiment pas que ce soit terrible. Non, ça avait pas très bien fonctionné. Pue la mort. Il avait fait ça après avoir joué Orianna AD. Ça aussi, c'était pas mal. Il avait fait Runan pour split les auto-attaques d'Orianna. Il y avait du concept, hein. Il y avait beaucoup de concept. Et le bon Arras de Noix qui se heal en même temps, c'est très fourbe. Bon, attention, le gank de la part de Chaka. C'est efficace comme gank, ça. Ça met plutôt la pression. Ah, ça fait mal, hein. Là, d'un coup, tu te sens vraiment. Oh là là, ça tryhard. Il est en train de revenir, Chaka. Chaka, la place, Zizou. Ah ouais, mais là, mec. Ouh, ça va que t'as d'huile, hein, ça va que t'as d'huile. Et la petite bubu, ah, mais attends, mais ça a l'air complètement pété. Enfin. Oh, ils sont géniales les bombes de Ziggs. C'est génial comme skin. Ah, elles sont beaucoup trop bien les bombes, mais elles sont même mieux que tous les autres skins, non? J'ai pas l'impression que sur les autres skins, ce soit aussi travaillé en fait. En fait, c'est chiant parce que tu peux pas le tuer, ça régène en permanence cette saloperie de. Il pourrait un peu dire la même chose de toi finalement. Ouais, mais j'ai moins de régène, j'ai moins de sustain. Lui, son passif, c'est quand même ça. Ah, pour la mana, c'est sûr que. Ah non, il a échangé le Tariq de comme le passif de Tariq, je crois. Je l'acide comme une chèvre. Oh, il a changé. Écoute, c'est vrai que depuis tout à l'heure, je te vois louper quelques auto-attaques. Là, je pense pas que ce soit super ouf en last hit. Et reste près des creeps. Oh là là, tu l'as eu celui-là, non. Celui-là, il fallait pas le laisser passer. Où est Copitz ? Est-ce qu'il est dans le buisson en train d'attendre un petit fake check de ta part ? Ou est-ce qu'il a back ? Le doute est permis. Le doute est permis, Noah, nous ne savons rien. Tu évolues à l'aveugle. Et tu es très concentré sur tes last hits. Ouais, je suis très pourri. J'apprécie le niveau de last hit. Pour le reste, son équipe, ça n'a pas l'air de trop mal se passer. Toujours 0-0 dans la game. 17 creep pour Noah. Mais je sens, mec, que. Ça plus revient, le temps, là, ça plus revient, le temps ça passe, revient. Tu vois, c'est un peu comme la cuisine dans WoW où toutes les compétences que tu montais, c'est plus tu travailles, plus tu craftes, mieux ça passe. Le pire, c'est que je les ai tous montés au max, ces trucs inutiles dans WoW. La pêche et la cuisine, comment t'as fait pour la pêche, mec? J'étais motivé parce que j'ai pêché la tortue qui fait voyager là. Et on a un first blood, moi, dans ta team, pour l'instant, tu te fais légèrement carry, puisque Killis a perdu son carry AD, si je ne m'abuse. C'est ça, Killis, peux-tu nous donner tes impressions sur ce qui s'est passé? Ouh, t'as pris cher. Je me fais un peu camp. Kha'Zix, donc Kha'Zix, ton Kha'Zix, Noah, qui est intervenu sur la bot lane et qui a permis à ta team de prendre le first blood. Et j'avoue que tu te fais un peu camp. Tu pars sur une pierre philo, intéressant. Je vais faire double objet à gold. Quelles sont tes idées, Noah? Double objet à gold. Sans concession. D'accord. Et l'ulti Nami qui a été up d'ailleurs, si je l'ulti Nami qui a été up. J'ai pas rejoué Nami depuis son up. Donc j'ai pas trop, là, je vois pas trop la différence, honnêtement. Peut-être que je peux un peu plus spam mon heal. Ouais, le coup en mana a un peu baissé, si je ne m'abuse. C'est ça, tu ne t'abuses pas. Très bien, j'aime bien abuser des autres, mais si j'abusais de moi-même, vraiment, il y aura un gros problème, je pense. Et qu'est-ce que ça donne le... Fais voir un peu ton élastique vis-à-vis de Copitz. Non, je suis au bois. T'as pas envie de voir ça, oh là là. Ah, je pense que le public a envie de voir, moi. Fais plaisir à tous. J'ai pris 12 creeps. 23 contre 35. Intéressant. Donc Noah, pour l'instant, qui est clairement dans la tournante, dans le tourniquet même, j'ai envie de dire. Mais je sens que tu as envie de persévérer, Noah. Tu as envie d'aller beaucoup plus loin dans la Nami top, de montrer vraiment que toute la viabilité du champion. Ah ouais, hop là.
Ceci dit, tu avances très bien avec Opitz qui part à nos deux Doran. Mais alors, Opitz, tu fiotises ? Est-ce que ton heal a plus de range que son stun ? Oui, largement. Si c'est le cas, c'est moche. Largement, largement. J'avoue, de toute façon, je m'en fous. Franchement, il n'y a pas assez de burst pour me tuer. Hop là, je me heal. Ouh, ouh. Oh, t'as fait mal quand même, hein. Attention, l'ulti de la part de Noir, flash out de la part de Copitz, qui se heal, t'as fait super mal quand même, hein. Pas grave, regarde, hop, hop. Ah, mais là, il a plus de mana, du coup, il est dans le dur, faut qu'il tue des creeps, comme ça, il récupérera un peu via le passif de l'anneau de Doran, et le bon ras de Noir, et un kill qui est pris au mid. Ça va, j'ai une équipe de génie, on met la pression. Ah, c'est ça, mec, pour l'instant, tu te fais un peu carry. Tu te fais un peu carry, mais j'ai aucun doute moi sur le fait que tu vas réussir à briller dans cette partie, ça semble absolument inévitable. C'est bon, je me remonte au creep, regarde comme il a fui. C'est un peu, Noah, tu es un peu comme un fils de roi qui est destiné au trône, tu es destiné à briller dans les parties, je suis destiné à la grandeur, mais voilà, c'est ça. Ça me paraît assez normal. Et parfois, comme toute personne ayant accédé aux plus hautes responsabilités tôt dans leur vie, bon, il y a un cardinal qui se charge un peu pour toi. Et là, c'est ton équipe qui joue le rôle de cardinal. Mais on sent que tu vas mûrir, Noah, que tu vas maturer, j'ai envie de dire. Maturer. Comment ça, fermenter. Comme un bon alcool, puisque finalement, Chaka et Kili sont un là bon pour fromage. Nous vendre de l'alcool. Hein. Comme un bon fromage. Ils sont là pour nous vendre de l'alcool. Vous penserez, j'espère, à Noah et à sa maturation dans vos thèmes. Je pense qu'il y a quelque chose à vraiment aller chercher. Ouh, l'ulti copie totalement loupé, l'arrivée d'Advilan. Attention, ça peut faire très mal. Il a pas de flash, les mecs. Hein. Il a pas de flash. Noah, si tu réussis ta bubule, flash bubule. Il a raté. Mec, flash bubule ignite, ça pouvait le faire. Hein. Viens là, grognasse. Non, c'est toi la grognasse, c'est un homme, t'arrives. Enfin. Excuse-moi, mais le doute est permis. Selon toute apparence, c'est un homme. Après, on sait pas ce qu'il cache en dessous de son slip métallique, c'est vrai. Tu n'es pas allé vérifier ? Enfin, je n'espère pas. Non, personnellement, non. Oh, le stun, non. Oh là, c'est un bait, Noah, vas-tu caler ta bulle? Oh là là, ça touchera pas! Oh, l'arrivée de Chaka! Attention, Noah, clairement, Noah tournante! Oh là là là, le kill est pris! Noah qui tombe avec sa Nami! Et mec, il cale un bonhomme de neige! Il est magnifique ce skin! Ce skin est vraiment épique! Oh là il là, est magnifique, oh, l'arrivée de la Karma, le route qui a le lien donc de Karma qui vous route si elle reste assez longtemps en liaison avec vous. Voilà, il y a quelque chose de très extraterrestre, de très extra-lucide finalement là-dedans. Moi, je trouve ça la liaison qui est créée, et puis paf, d'un coup, il y a rupture. N'empêche qu'en 1v1, je mets la dose aux copies, ça. Fais voir les creeps. Bon, il est devant. 42, mais... Mais le jungler a été plus présent de son côté, j'aimerais dire. C'est vrai. Son jungler a été présent. Après, Advilan, il a avec son Kha'Zix, il a campé là depuis 2 minutes quand même. Hein. Il était présent. Et Copitz qui défonce. Je vais le défoncer. S'il back pas, je vais le défoncer. Bah, j'espère, Noah, un petit tulipe. J'espère là. Que tu m'écoutes, Copitz. Je vais te défoncer. C'est parti, mec. L'ulti. Coupe sa route. Ah, fail. Oh. Bon, là. You lose. C'était Cardel. You lose. Continue. 10, 9, 8. Comme dans Tekken. Pas d'ulti noob. Copitz qui stream le soir, hein, si ça vous dit d'aller voir les tribulations de l'infernal Copitz, c'est nous parfois qui jouons avec lui. Voilà, soit on stream du LOL Barça, soit Copitz qui stream en jouant avec nous. Quand on a le temps de jouer, bien sûr. C'est pas tout le temps après, le cas. Après, j'ai 2 objets à gold, donc il a peut-être plus de farm. Mais faut pas oublier ça. C'est vrai, Noah, tu es là pour faire... Ah bah oui, tu joues sur la durée. Bah, c'est ce qu'on disait, hein, l'enfant roi qui se transforme en roi. Exactement. Et doublé pour l'équipe adverse sur ta bot lane. C'est pas grave. Kilis, est-ce que c'est toi qui as fait tout le travail? Je me suis fait grab. Tu t'es fait grab. Très bien, tu as donc servi d'appât. Ouais. C'est utile, il en faut. Oh là 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 là, le burst colossal mis par Copitz et il y va. Il va te chase, Noah. Non, il te chase pas finalement, mais tu prends quand même sacrément cher, je tiens à te le dire. Je pense que tu l'as vu d'ailleurs. Il te tonne, hein. Oh! Oh! Oh, ça pointe! Oh, le kill qui est pris! Attends. Oh! L'humiliation absolue! Noah qui perd son 1v1 contre. Ça ne se passera pas comme ça. Là, mec, il faut que la réaction soit sanglante, hein, chez toi. Pense à Xerxes dans 300 qui voit son émissaire se faire pourrir par, euh,
par comment il s'appelle, le roi des Spartiates, le mec avec des gros pecs là et je sais plus. Mais voilà, pense à la colère de Xerxès. Moi, c'est ce qui doit t'animer là maintenant, tout de suite. C'est tout de suite, voilà. Ton émissaire s'est fait tuer. Bon, l'émissaire s'est fait tuer. Vas-y, Kopitz. Moi, je te prends un verre dans des vraies conditions. Ça troll. Mais c'est de bonne guerre parce que t'aurais fait à peu près pareil si ça s'était passé dans le sens inverse. Donc bon, malheureusement, il faut savoir subir, être bon joueur ou être mauvais joueur. Mais bon, je vais le défoncer. Essayer de donner l'illusion, mais je ne doute pas que tu seras 20 fois plus utile en teamfight, tandis que Ecterelion reprend un kill, encore une fois, cette Miss Fortune qui enchaîne là. Oh, doublé! Oh là là, ça peut triplé! Incroyable! Mais on fait voir un peu ce qui se passe en bas, parce que c'est vrai que t'as du mal à farm, mais montre-nous un peu toute ton c'est équipe. Noa s'est faite littéralement ramonner. Heureusement que Kiki c'est là pour vous carrer quand même. Ah, qui est-ce qui dit ça? C'est Cardel? Non, Cardel. Donc Cardel qui est le réalisateur ce soir. Et n'hésitez pas à l'ajouter sur LOL. Son pseudo, c'est Ncardel. N-C-A-R-D-E-2-L. Et il est ravi de jouer avec toute personne qui lui demande. Et il vous donne même de l'argent. Oh, et elle vient vers toi, Noa. Oh, c'est du tout cuit. C'est peut-être. Non, c'est pas le premier kill de Noa dans la partie. Je te vois. T'as tenté moi, le style. Moi, je suis teamplay. Non, team mec, play. T'as tenté le style à 1000%. Bon, j'aurais claqué un ulti si j'avais voulu style. Ouais, mais j'aurais pu claquer un ulti. Il est un peu lent pour arriver ton ulti. Oh, j'étais au corps à corps. J'ai senti que tu avais tenté quelque chose. Et le bon arras de la part de Noa. Attention, Kopitz qui balance la sauce. Ouh, par contre, Kopitz, ça fait le combo dans le sens inverse là. Mais c'est pas grave, ça a fait mal quand même. Ça a fait mal. Et Kopitz Kage. Ah, c'est pas mal le bracelet de feu mortel sur. Je pense qu'il va le faire après. Le bracelet de feu mortel sur Tariq AP, c'est vraiment pas mal. Ou le bon Arras et l'arrivée du Kha'Zix, ça peut faire très mal. Kopitz va-t-il pouvoir s'en sortir? Nous, un petit ulti peut-être sur la route. Oh oui, là, ça peut le faire. Non, il n'y a pas la range. Il n'y aura pas la range. Il n'y aura point de range. La range, c'est quand même monumental. Ouais, mais pas encore assez rapide. Hein. Bon, après, tu partais loin quand même. Oui. Là, c'est, je veux dire, t'imagines, t'attrapes les mecs à coup sûr en bas. Enfin, tout au bout de la range, ce sera un peu pété quand même. Et Ecterelion, la Miss Fortune, qui détruit votre tour du bot. Et fais voir un peu, Noa, ce qui se passe en bas. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'animation. Ça campe. C'est du 3v2, Shaka qui met la pression. Il a bien compris que Noa était totalement intuable et imperturbable sur sa top lane. Du coup, il a choisi d'aller sur la lane faible. Il a tenté une fois la chance, après, il s'est dit, ok, ça. Non, ça passera plus. Ça passera plus. Noa, tu lui fais jamais deux fois. Clairement, Noa, l'homme qui éteint en calme, l'homme qui avait un sonar un peu comme les dauphins, l'homme qui parlait aux dauphins, je pense. Oui, que je murmurais à l'oreille des dauphins. Ouais, aux branchies donc. Ça n'a pas de rien, dauphin. Qui murmurait aux branchies des dauphins. Ouais, non, mais c'est, ça me plaît, c'est un concept, hein. Je devrais proposer ça à Disney, ouais. Ouais. Bah écoute, hein, je pense qu'ils sont ouverts aux bonnes idées, aux idées de génie, et comme c'en est une. Copie, c'est là, comme je te respecte pas, je t'épais à côté de toi. Le but, c'est de viser les gens avec l'ulti. Non, mais quand je vais lui mettre un raz-de-marée dans les dents, s'il y a un chat, je vais lui faire un petit coup de lavement. Il aura pas besoin de sa petite poire habituelle. Et après, tu vas passer parce que ce sera bien ouvert. Exactement. Ouais, mais tu as raison, moi, c'est dans ce genre de conditions, il vaut mieux préparer le terrain, et sans doute que c'est la meilleure des façons. Bah alors, viens là. Ah, il a eu peur, hein, mais tandis que la team adverse, moi, commence vraiment à faire le taf, je pense que tu devrais essayer de décaler et d'aller aider ta team, moi, avant que cette Miss Fortune ne fasse de toi un merlan free, j'ai envie de dire. Voilà. Et ça y est, Noa qui décide de décale, qui va donc bouger de sa top lane, intéressant. Tu donnes et qui info, va, tu bah, qui va apporter bah, tout son impact dans cette game, parce qu'il faut pas déconner, t'as quand même sacrément bien farmé, Noa. Ah ouais, je suis très bien farm. Donc tu as de quoi peser dans les débats, tout simplement. Oh, c'est parti, un ulti Miss Fortune, et le kill qui est pris sur le dragon. Noa qui prend encore un peu de farm. Et ça y est, qui rejoint son équipe, tout va bien, le dragon est encore présent. Noa est là à l'heure. Et le haras, c'est parti sur Felson. Ouh, tu t'exploses un peu, mec. Attention, il y a Kilis derrière toi. La petite bubule, le fear, l'ulti. Et Kilis, flash in. Noa qui prend le kill, incroyable. Allez sur Kilis.
notre invité du soir, l'arrivée de Tristana. Noah, va-t-il pouvoir faire des dégâts? T'as mis l'ulti quand même au corps à corps, ça fait mal. La bulle qui passe, Noah qui est clairement on fire, qui score un double kill tout de même. Doublé de la part de Noah, incroyable. 2-3-1, mec, tu n'es pas loin de sortir de la zone rouge. Ah, ça vaut le coup, ça vaut le coup. Petit Morello. Petit Morello. Strong Morello. Red du cooldown, je pense que c'est pas dégueu si on a mis. À moins que je me trompe, mais... Voilà, et voilà, c'est ça, là. J'ai pas vu ce qui s'était passé au mid, mais c'est ça. C'est ça, mec. Tout simplement, qui est-ce qui est mort? C'est pas en mais je voudrais bien faire tourner mon objet à gold un peu plus longtemps. Bah, prends... Fini des boots, c'est... De quoi? Le chat réclame de savoir comment ça se passe. Alors, comment ça se passe de l'autre côté? Comment vous sentez cette partie? Bah, attends, je vais les faire témoigner. Vas-y, Kilis. Plutôt bien. Comment ça se passe, ta botlane, finalement? Vous avez pris la sauce au début et après doublé, triplé de la part. Il y en a eu trop, des doublés, des triplés de la part de votre Miss Fortune. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, en fait, il me focus systématiquement, mais je me fais grave, je silence. C'est faux, je t'ai pas mis un outil juste pour toi. Faire ce qu'elle veut après. D'accord, ok. Bah, du coup, ça passe bien. Du coup, vous avez l'indication, hein, l'équipe adverse. Si vous êtes sur le stream, eh bien, vous savez tout. Il ne faut surtout pas focus Killis parce que vous allez crever. C'est le scénario depuis le début. Et donc toi, Shaka, ça se passe comment avec le nain dans la jungle, le bonhomme de neige? Le nain dans la jungle, c'est un peu compliqué là. J'ai un peu du mal à farm, bon ça va, j'ai quand même... Mais c'est vrai que je prends plutôt cher. Donc... T'as plus de farm que Noah, fais voir. plus. Intéressant, t'as plus de farm que Noah, que t'es dans la jungle. C'est un point... c'est un point à troll, je te remercie Shaka de m'avoir donné cette information. Alors comment tu le sens? Quel va être ton stuff? Je sais pas, Tu le fais au feeling? Je le fais au feeling, je regarde ce que je peux acheter en fait, et puis si je peux acheter un Doran, j'achète un Doran, et puis... Oh là là, qu'est-ce que t'as pris cher, Noah, l'ulti de la part de Shaka? Que t'es pas loin d'y passer! Ah, je l'ai vu en direct, t'es pas loin d'y passer! La confiance, mec! Hop! Oh! Ouh, tu l'avais vu venir? J'ai vu en direct, mec, il t'a mongolisé! Oh là là! Chambrage, mec, il a posé le bonhomme de neige, il a pris son snowboard, hop, oulioup, il est arrivé, il a balancé la boule de neige, et tu te l'es pris dans le slip, hein, t'as eu froid, non? Ah, the place. Je suis en train de déconner, cher. En train de taunter, je fais plus, je regarde, je fais... Mais en plus, t'as bougé, oh, non? Oui, à la fin, je fais rush. elle arrive, elle roule, elle va m'écraser, et t'avais ton avas, au moins? Oh là là! Qu'on te retrouve au milieu de l'avalanche. Non mais bien joué Shaka, j'ai bien kiffé. Et donc moi je vous conseille un truc pour votre bar. C'est vous mettez un shot ou un verre. Et c'est selon votre inspiration. Et les gens aiment bien ça en général, tu vois. Parce que là tu t'aimes faire les choses au feeling. Je pense que c'est important. Donc je vais retourner à côté de Noah, après avoir recueilli les invitations de nos invités. Et j'ai bien kiffé parce que j'ai vu ça du point de vue de Shaka. Je t'ai vu disparaître dans l'ombre. Et j'ai senti que ta boule de neige, elle était attirée par toi, tu vois, comme un peu une pie est attirée par des choses qui brillent. Tout à fait. Et comme tu es un enfant roi noir et que tu brilles, bien, la pie Shaka t'a picoré. Et il a pris un très beau kill. Et Noah, donc dans... Ah, tu as pris finalement Morello, j'aurais pris les boots avant quand même, à ta place. Ah oui, tiens, j'ai pas de boots. Tu n'as pas de boots. Imagine, Noah, si... Tiens, ça s'est joué à un centimètre, ta mort tout à l'heure. Je n'ai pas de boots, non mais... Si tu as vu des boots... Je viens de capter ça. C'est une bonne remarque, Chips. Je sais, je suis là pour tenter de t'aiguiller à travers le brouillard, Noah. Oh là là là. C'est parti. Noah qui met un ulti. Ou Shaka qui se fait bum. Non, il s'est pas fait attraper par le Blistrand qui arrive à flash out de l'autre côté. Vous l'avez vu, Noah, la bubule qui ne touchera pas. Mais le kill qui est pris, tout simplement, par Nolokos, votre Blistrand. Oh, l'ulti de la part de Kenneth qui désengage instantanément. Noah, très bon, très bonne bubule. Oh, l'arrivée de Terry. Il t'aggrave. C'était même pas pour moi, cet ulti. C'était même pas pour moi, l'ulti d'NF. C'est Tariq qui a pris le kill sur toi. Non, c'est NF qui m'a pris le kill. C'est Tariq. Bah c'est la même image fait. Non, c'est ça, c'est Tariq. En fait, c'était génial avec Biscran qui a grab Tariq, donc Copis, et Copis ça fait... Je sais pas si c'était le meilleur grab. Non, ça fait un peu penser au grab qui est capable de mettre Copis, hein. Il les provoque du coup. Copis qui une fois avait grab dans une partie... 2-5, non il avait grab un... Je suis une force pour mon équipe. Ouais. Il avait grab un Olaf sur Vince qui jouait Cassiopeia, et donc qui était très low life.
Et j'étais sur TeamSpeak à ce moment-là et j'ai entendu une marée d'insultes quand ça s'est passé avec Vince qui lui a sorti mais tous les noms d'oiseaux de la Terre. C'était affolant, c'était vraiment génial. Carré-squeeze juste après. Ah, c'était trop drôle. Et t'as vu que c'était une heure avancée de la nuit, je pleurais. Ah non, on n'en pouvait plus. J'avais tracé le méchant à côté, mais je pleurais. Comme d'hab, on est rentré un peu bourré et puis du coup on a joué. Et c'était. Ça vaut toujours le coup, notre TeamSpeak vraiment est toujours animé. C'est un bonheur. Un endroit où il fait bon troller et se reposer après une longue journée de travail. Et ça fait mal quand même, Karma. Contrôle. Regarde les dégâts qu'elle fait en AP. J'avoue qu'en support, je suis pas convaincu, mais en AP, ça fait sacrément mal quand même. Karma, peut-être un pic utilité râpé, hein, au mid, un peu genre... peu style Zilean, mais plus de DPS. Après, on a 1500 et 1500 points de vie. Hein. Oui, bah c'est sûr que tu n'es pas l'élément le plus tanky de ta team. Mais là, moi, tu pourrais peut-être t'exposer à je ne sais quoi. Oh là là, au bot, on va faire voir un peu ce qui se passe. Bot, qu'est-ce qui se passe? Ouh là 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 là, ça va être compliqué pour ton Kha'Zix. Est-ce qu'il va s'en sortir? Noir qui arrive, qui se met un petit boost d'attaque speed. Et Shaka qui s'est vraiment exposé, qui va sans doute tomber là. Ça va être compliqué. Shaka qui tombe à l'orée de votre base, Noir. Et tu n'as pas ulti, c'est bien dommage. Par contre, là, il y a un petit ulti à mettre. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Clairement. Ouf, ulti. Oh. Ulti, bubule, ça ne passe pas. C'est dommage. Tu fais échec ou quoi? Il faudrait. Et c'est Skull Fury qui va faire le taf avant toi. Skull Fury d'ailleurs qui avait été le premier à répondre sur notre news Facebook. C'est pour ça que je l'ai invité avant tout le monde. Voilà, donc maintenant on va faire un truc. C'est le premier qu'on voit à chaque fois. Il sera tout simplement invité d'emblée dans la partie. Donc soyez attentifs parce que nous serons fourbes au niveau des annonces, bien sûr. C'est le principe. Oh, attention, Noir, cette Miss Fortune est dopée, mec. Cette Miss Fortune a beaucoup de stuff. Est-ce qu'il va mettre un... Oh, le Kha'Zix, il s'est fait tellement calmer. Il a mangé le silence. Et après, c'était compliqué. Ah, le silence de Fiddle. Il pardonne 0. Hein. Il pardonne 0. Yoshio, comment vas-tu, Yoshio? 1, 3. Intéressant. Noir, la petite bubule en anticipation. Est-ce qu'il a touché quelqu'un? Non. Il a touché personne. On est d'accord, si tu touches quelqu'un dans le noir, ça le révèle, non? Ouais. C'est assez sympa, ça. Après, il faut toucher, mais... Oh, dommage, Noa qui loupe. Ça bombasse, l'arrivée de Copit. Oh, ça va faire très mal, c'est un véritable carnage. C'est un véritable carnage, Noa qui catalyse la haine de l'équipe 529, elle m'a mis avec son shoot. Ouais, mec, ça fait mal, Karma, en AP. Hein. Ça balance du steak. Ça balance sacrément du steak. Alors, quel va être. Tu nous fais un petit dénominateur, Noa? Ouais, ça me paraît pas mal. Cette scène qui est vraiment zéro fait, hein. C'est dommage. C'est dommage, peut-être qu'il devrait faire un autre passif qui agit bénéfiquement pour tes tours. Je sais pas, genre un tuable pendant 2 secondes. Ouais, allez, comme ça. Oh, voilà. La Tristana qui te raterrit sur le haut du crâne. Kha'Zix qui va tomber. Kha'Zix qui tombe, c'est Skull Fury, le Kennen, le mid laner de Noa, donc qui prend le kill. Putain, je fais vraiment pas de dégâts. Assez peu. Tu vois, t'aurais dû jouer AD peut-être. Pour avoir, franchement, ça pouvait pas être pire. Tu sais, tu fais. Comment ça vraiment des ratios AP dégueulasses. Regarde, mec, je jure, tu fais le Runan, et donc ton attaque, quand tu la triple, et enfin, quand tu fais ton auto-attaque et que tu mets ton boost. Ah, voilà, c'est des génies. Que tu mets ton boost, mec, tu peux faire triple slow sur les gens et triple dégâts. Ouais, ça peut être sympa. Ouais, ça me dit le truc, c'est que 3 attaques. Oui, c'est sûr, mais. Voilà, 3 attaques pour un split de 3. Je pense que voilà, tout est dit. Du Boston bien utile. Oui, pas mal. Il est bien passé. Noa qui est dans la difficulté dans cette game. Mais voilà, il va revenir. Ce n'est qu'une question de temps. 2-6-3. Quelles sont tes intentions, Noa, en termes de stuff? Ramadan maintenant. Donc tout dans le dégât. Je veux mettre un ulti, un cas dégâts. C'est combien ton ulti là? Rien. 250 plus 112. Ah non, c'est des ratios bien pourris, hein. Ouais, 112, c'est... Ça fait un 0,7. T'en as un ou pas 0,7? Oh là là, non, j'ai un 0,6. Ouais, on est des anciens. Il y a que les jeunes nous qui ont des 0,7. Exactement. Les jeunes qui achètent des iPhones, alors que Noa et moi, on est tellement des hipsters. Oh, Noa! Tant de haine! Ils ont pas envie de t'entendre chanter, Noa. Il paraît que les chants de sirène, bah c'est ouais, vraiment nocif. Mais c'est pas des mélomanes. Ouais, clairement, parce que s'ils avaient entendu la douce voix de Noa, je pense qu'ils auraient craqué. Quel monde de bataille se sert du truc pour communiquer entre eux. Bon, je vais finir ça peut-être. Un petit Liandry. Bon, allez, ça me sert pas à grand-chose. C'est un mec...
Ah, pas mal, pas mal. Il troll ton chat. Il troll ton chat. Et tandis que la team de Kilis et de Chaka est en train de totalement enfoncer t'as vu votre mais base. Ils ont tellement peur de m'affronter quand je suis dans mon équipe qu'ils me cherchent à me limoger par tous les moyens. C'est ça, ils t'éliminent en premier. Ils ont compris où était le danger principal. Regardez là, ils vont back parce que je suis là. Et ils le savent. Et ils le savent. Est-ce qu'il a touché Kha'Zix? Non, il touche pas avec ses roquettes, c'est dommage. Ça aurait peut-être appliqué le passif, le slow. Je suis à 2-7 là, je suis un levier pour mon équipe de puissance. Oui. Tu as un gros effet de levier dans cette partie, Noa. Oh, ulti ou pas, Noa qui arrive, voilà. Noa qui ne prend pas le kill, un ultime qui... Ça touche pas, oh, mais non. Ça touche pas, Noa, mais attention, Skullfury, il est très chaud avec son Kennen et Kilis risque d'y passer, tout simplement, oui, Kilis qui tombe, doublé pour la Tristana. J'ai le bonus. Karma qui a donc son achievement, Noa, il voulait te tuer, c'est fait apparemment. Oh, Shaka, mec, il est tellement fourbe, il t'a attendu, contre... il t'a tout mis. Oh, c'est pas mal ce qu'a fait ta team, Noa. Conseille-leur peut-être un Ashor. Y'a qui vivant? Non, ils y vont pas. C'est les rouges, y'a qui vivant chez les rouges? Y'a peut-être moyen de faire quelque chose là, je sais pas trop. Too late. Je sais pas trop. En tout cas, bon, Kopitz, je vais vous ken. Ah, c'est bien dit. Donc, Ken, personnage dans Street Fighter, bien sûr. C'est bien connu. Ça veut dire quoi, ça? Si je t'attrape, ah, il s'est tout fait. Go, tu connais pas la chanson? Non. Aïe. Possette et Mata. Ah si! C'est tout pego. Ah si, 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 voilà. ça me fait penser un peu à Angela, tous ces trucs-là. Ah, Angela. Bah voilà, je dis, ah, c'est tout pego si je t'attrape. Alors ça se trouve, ça veut pas dire ça du tout. Donc Noa qui parle créole, c'est ça, un truc comme ça? Je te prends au mot, Ryu. En fait, il faudrait qu'on arrive à caler un bon truc de team, d'ulti. Oui, il faudrait que ton ulti touche, Noa. Oui, il faudrait que j'arrive à c'est... vivre, ah, en fait. C'est... Mais voilà, on a trouvé, en fait, la solution. Toi, je vais plus valoir grand-chose en gold, donc au pire, ça, c'est pas grave. C'est vrai, tu peux te sacrifier. Tu peux te sacrifier. Écoute, là, pour l'instant, on sent ta puissance de dépouche ainsi que celle de tous tes coéquipiers. Et Kopitz, quand même, tu remarqueras, il a tout gardé pour toi. Hein. C'était le cadeau de Noël, voilà. Ou tu vas pas prendre les mines là. Et vous êtes clairement sous pression, Noa. C'est faux. Vous êtes clairement sous pression. Est-ce que mon ulti les adversaires sont doux. Sont... Attends, mec, ça fight. Mais ça fight rien, regarde. Regarde, Kopitz, c'est en train de venir, mec. Si tu pouvais le tuer, ce serait quand même. Parce que je crois que tu l'as pas encore tué de la game, hein. Non, ça va bientôt venir. Voilà, là, mec, maintenant. C'est le moment où il faut. Oh, on a un ulti de la part. Oh là 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 là, c'est compliqué. Noa qui a un flash encore. Je pense pas que tu devrais avoir utilisé. Oh, c'est pas mal la bubule, l'ulti de la part de Shaka. Oh, c'est pas mal le stun de la part de Kopitz. Et l'excellent ulti de la part de Miss Fortune. Stun de Noa dans la mêlée. Il a réussi à choper Shaka. Shaka qui balance du gros Arras à coup de boule de neige. Noa qui se fait jump. Oh, Tariq. Kopitz qui a totalement. Qui a totalement fumé Noa. On a un peu trop de retard dans cette game. Je pense que ça commence à être dur, ouais. Ah, je fais zéro dégâts. Bon, bah voilà, Nami AP, vous voyez des bons ratios. Puis un personnage convaincant. 0-7 sur l'ulti. Bah, c'est pas dégueu 0-7 en ce moment. Ah, pour un truc qui a 80 secondes de cooldown, il a pas de dégâts, il a pas beaucoup, ouais, dégâts naturels de l'ulti, 250. Ah, bah l'intérêt de l'ulti. Ça de fait moins de dégâts, enfin ça fait moins de dégâts que Sona. Tu peux chanter ma suprématie sur le stream, Noa, merci. Copie, je te prends un contre un avec n'importe quel perso du jeu dès que je joue de chez moi. Je te laisserai même choisir mon perso tellement je te prends. Tellement je suis confiant dans mes mécaniques. 2, 9, 4. Je croyais que la saturation du jeu avait changé, mais en fait. Le bâtard. Comment ça, il y a un mode noir et blanc sur League of Legends? C'est bah ouais, mec, hein. Je vois pas les couleurs. Bah c'est, je crois que c'est le trailer Tale of the Lane qui a inspiré Riot, hein, de faire ça. Ou le dépouche à ulti de la part de. Tu tues même pas tous les creeps, c'est triste quand même. Ça fait vraiment des dégâts moisis. C'est triste. Mais je pense que voilà. Au moins, vous savez que si vous voyez Noa avec Nami, eh bien, voilà, il y a... Voilà. Pas grand-chose de plus à dire. Je me demande, est-ce que ça tique le Liandry sur l'ulti? Parce que c'est un sort qui slow. Oui. Est-ce qu'au moment où tu te prends la vague, en même temps, tu te prends le debuff du Liandry? Est-ce que tu te prends le debuff max, tu veux dire? Je sais pas. J'avoue, je sais pas. Mais...
J'ai tellement rarement vu des Nami avec Léandri, vois-tu, que là j'avoue que ma connaissance du jeu s'arrête ici. J'ai des limites. Et alors je vais aller voir nos chers invités. Vous venez de faire Nashor ? Ouais, c'est ça, ouais. On fait Nashor en sneaky. Nashor en sneaky, intéressant. Vous êtes prévenus, nous, hein ? Si vous voulez tenter un barou d'honneur, c'est maintenant. Pas besoin ? Alors, Chaka, t'as fait quoi comme stuff ? Fais voir un peu. Tu nous as fait un... Ok, t'as fait Zonia, et là, tu pars sur... Volonté, enfin... Caro, on t'entend beaucoup d'ici. Sur l'ancienne volonté, en fait, où il fallait faire la pioche de cag et une baguette trop grosse. Et d'accord. Ok, ah ouais. Du coup, bah... Ok. Au feeling, comme d'habitude. Caro, ta gueule ! Ta gueule ! Tu parles trop fort, merci. J'étais moins diplomate, j'étais plus diplomate que toi. Attends, comme si Kaoru était un homme diplomate. Oh là là, Advilan, qu'est-ce que tu fais? Il a eu un coup de folie, mettez-lui la camisole. Oh, l'arrivée de Chaka dans les airs, qu'est-ce qu'il est gracieux. Qu'est-ce qu'il est aérien, ce... Mais comment ça s'appelle cette merde? C'est Ziggs. C'est Ziggs, voilà. Cette merde. Sourire Colgate avec le... Ils ont peur de mon ulti. Ah mais là, ouh, ça poque, Noir, oh, c'est compliqué, Copis qui prend tellement cher, et Noir qui balance le raz de marée, voilà, oh là, ça pourrait faire très très mal, Noir, l'impact dans ce teamfight va être colossal, Copis qui avait envie de bouler, de bouffer. Des filets de poisson. Il a bien gardé tout ça pour moi. Je vous conseille jeu. Si vous pouvez finir, messieurs, de la partie comme ça, on enchaîne. Copix, je te conseille un peu de fenouil avec ton poisson découpé comme ça. Et ça fait vraiment le taf. Un peu de fenouil, un peu de citron. Ah, je suis pas fan du fenouil. T'es pas fan du fenouil? Non. Pourtant, avec un. Tu le fourres avec du gros sel, c'est suffisant. Mais mec, un peu de gnocchi. Mais... Oh, casse-toi. Oh là là, là avec toutes ces espèces de traditions. Ouh, ça fait mal. Non, mec, un poisson cuit au barbecue avec un peu de fenouil et un peu de citron. Ouais, ah, tu gâches les mots, tu vois. C'est comme tu cuis trop ta viande. Ça, tu bah non, ça, t'aimes pas le poisson. Moi, je suis. Mec, me prends pas pour Chloé. Hein. Cléophel, donc un des community managers. Faut savoir, pour tous les gens un jour qui boufferont avec nous, si vous prenez votre viande au-delà du saignant, vous êtes le sujet au colibé pendant toute une soirée. Ah, clairement, et ce sera compliqué pour vous. Donc, surtout, ne mangez pas de la viande devant nous très cuite, à moins que ce soit du porc, à la limite, on comprend. Ou du poulet. Poulet grillé, bon, voilà. Poulet. Du coup, voilà, GG, moi, une game énorme. J'aimerais recueillir tes impressions. Ben, je suis devant leur support au gold, donc moi, ça me va. 9,2K contre 8,6K, oui. C'est vrai, tu es devant. Mais bon, c'est bon. Mais est-ce que tu as fait plus de dégâts qu'elle? Fais voir un peu. Ouh, c'est pas sûr. Alors, on va voir la courbe de dégâts de Noix, Damage Dilt, ici. Damage Dilt, ou quoi? Imposante, ta courbe de dégâts. Imposante, pardon. Plutôt pas mal. On va faire une courte page de pub, et on revient juste après avec les vidéos à la Noix, une autre petite game. Oui, voilà. Et donc, ça va être intéressant. Écoute, Noix, merci pour cette performance hors du commun. On se retrouve dans 5 minutes. Avec les vidéos à la Noix. Oui, vous avez été nombreux à les réclamer de nouveau. Bon, c'est vrai que d'habitude, on avait moyennement le temps avec les gens qu'on invitait. Donc là, on essaie d'insérer ça et d'être beaucoup plus... J'espère que le stream t'entend, Cardel. J'espère qu'il t'entend en train de faire le débile derrière. Je pense qu'il l'entend. Voilà, pareil, Cardel, hein, qui est actuellement en bronze 4 et qui cherche à faire monter son ladder. Donc N Cardel, N-C-A-R-D-E-2-L. Ouais. Et voilà, bah, d'ailleurs, Cardel, si tu pouvais dire un petit mot en banderole, genre en rappelant bien ton pseudo, comme tu me l'avais dit. T'es sûr de ça? Pas sûr. Alors, Cardel, je te propose la première vidéo, qui est donc un solotage de dragon de toute beauté. Genre de choses à reproduire. Cardel, écran. Troll d'abord. Ok. D'accord. C'est toujours très important, le troll. Donc tous les bruits à la con que vous entendez, en fait, c'est... Ah, c'est genre, c'est trouvé un nouveau jouet. Ouais, en fait, il a pris tout des plein de trucs qu'on avait enregistrés il y a bien longtemps. Allez. Ils trouveront pas. Franchement. Donc,
C'est mais quoi, C-H-E-E-N? Ouais. Ah non, vous trouverez pas. Si on est parti, Cardel? Ouais. Si j'ai une invite, je l'accepte. Alors, donc Noah admire ce dragon. Une invite, je l'accepte. J'accepte le premier qui va pop. Ouais, tu vas chauffer des gens qui vont te trouver. Hein. Ah bah ouais, bah bonne chance, hein, parce que c'est vraiment très con comme ça. Elle va faire son filet, elle va pas le buter. J'en étais sûr. Putain. Putain, j'en ai dit. Tu vois venir le moment. Ah ouais. Oh, il a dû se faire insulter. C'est moche, hein. C'est quand même sacrément moche, hein. Alors ça, donc celle-là, c'est une petite game de Void Boy et la fin est assez, assez fun. Voilà, donc c'est parti. Il est mort. Ils sont nombreux à être morts. Void Boy qui jouera à Wallstar. Non, non. Non, c'est Dyrus qui lui a été préféré par la communauté américaine. Je pense quand même que Void Boy est plus fort, mais le truc c'est que Dyrus est peut-être plus consistant. Donc bon, mais Void Boy qui stream souvent, qui avant, avant le duel entre Wicked et Soaz, avait le record de joueurs, enfin de viewers sur un stream individuel. Je crois qu'il avait hit les 50 000. Mais bon, enfin, Wicked a fait 150 000. Donc je crois que voilà, c'était un petit achievement quand même. Et ils vont finir alors. Bah, je connais, j'ai vu le nom de la vidéo. Il n'y a plus de suspense. Je crois qu'ils sont déçus, il manque une auto-attaque, même une Soraka. Hein. Même du Soraka. Oh là là. XPK. XPK. Is that you? Ah, ce move vraiment qui a marqué l'esprit. Hein. Is that you, XPK. Ah, il prend cher, le cher. Ah, ça va être dur. Il va se faire buter. Oh, ils ont use. Oh my god. The solo queue. J'en ai un autre, une note de Void Boy où il carry la fin de la game en mode vénère. C'est assez marrant. C'est assez marrant. Alors, bah, Cardel, si tu peux en passer sur nous parce que la fin de la vidéo a pas forcément d'intérêt. Donc là, ok. Alors. Ah oui, alors celle-là, mec, elle est magnifique. Alors là, le mec, c'est un génie. Regarde, t'es prêt, Cardel? Ouais. Ça, c'est le genre d'intervention qu'il faut faire avec son jungler. Très, très important. Ça, c'est le genre de jungler qui a de l'impact dans la partie. Il va se faire buter par le Drake. Ah, c'est tellement dur. Putain, il y a des moments où t'es au fond en solo queue quand tu crois ça. Ah ouais, t'es mal. Hein. Alors, une petite vidéo de Void Boy où il envoie la sauce. Regardez. Et d'où est le cochon quand même. Petite ancienne curse pour la pub. Les 15 premiers du classement Amérique du Nord. Hein. Ah, il joue Jace. Il joue Jace, ouais. Un Jace pas trop mal stuff, hein, 359 d'AD. Oh my god, no. That's not good. Oh, that guy's low as heck. Hey! Oh my god. Oh! Hey! Oh! The Zuna. Oh my god, Sam, what are you doing? Ah, les tanky. Tiens. Paf, un coup de marteau. Ah, il va y arriver au printemps. Allez. Ah, il y en a que 4. Ah, il y en a 4, ouais, le 5ème et what, reported. Ah, il a légèrement carry le dernier teamfight. Hein. GG, nerd!
Oh, elle est pas mauvaise. Hein. Non, elle est pas mauvaise. Ouais. Pas solide. Pas mauvais, ouais. Alors, du coup, alors, c'est quoi la suivante? C'est... Ouh là là, alors celle-là, mec, c'est du lourd. Bronze Play. Elle envoie vraiment du lourd. Attention, Cardel, c'est parti. Franchement, elle est géniale. J'en pouvais plus quand je l'ai vue. Même Georges a dit oh my god. Elle va rater sa flèche la même. Le montage est génial. Ah, ça envoie du lourd, hein, genre le tireur bourré. Ou le mec qui a la bougeotte un peu, la tremblote. Le bit, il a 3 grammes. Il a 3 grammes. Grammes dans le sang. Mais genre là, il souffle dans le ballon, il est tellement foutu. Ah, il est au fond, hein, clairement. Alors ça, bon, c'est pas une vidéo du jeu, mais c'est une poker face. Je l'ai vu, ça. Tu l'as vu? Elle est marrante. Il faut la musique avec, faut le son. Sur Facebook, c'est là que je l'ai trouvé. Ouais. Ah, moi, j'ai trouvé sur le nôtre. Quelqu'un avait posté le lien. D'accord. Elle est marrante. Donc voilà, les vidéos à la noix. Et donc, nous allons start une deuxième avec game. Avec la musique, c'est tellement parfait. C'est vraiment tellement parfait. Non, crée. Oh, pardon. Oh là là. Je m'en... Ou alors, vous allez sur le ladder, rouler sur des gens à 3. Oh, bah non, à 3, tu peux pas. Non. Bah si, en normal. Mais ça, okay. autant jouer avec vous, très cher public. Attends. Le mot de passe, wait. Je vais... Tape avec ton front. Non, je vais faire... Avec ton nez. Appelle Big B et tape avec son nez. Je vais faire... Il est pas mal celui-là, non? C'est vraiment affreux. Il est vraiment pas mal, je trouve. Alors, celui-là. Invite Kilis et Chaka. Ouais, alors c'est parti. Donc là, c'est moi qui vais devoir prouver mon skill. Non, c'est Chaka or not Chaka. Ouais, Chaka or Chaka. Ah oui, voilà. Allez, c'est parti. Est-ce que Kopitz veut rejouer? Bon, j'imagine que oui. Il apporte le beau jeu, Kopitz. T'imagines que oui. Il a fait beau jeu. Ah, il a gagné. Ouais, t'as raison. C'était pas mal. Alors, du coup, qu'est-ce que j'ai invité? Allons voir un peu au hasard. Mr. Gain, je crois que j'ai invité, non? Non, ça me dit rien. Ok. Non, lui, il me dit rien. Enfin, après, je suis pas à l'abri d'une erreur, bien sûr. Chien. Tous les grands hommes ont commis des erreurs. Non. Es-tu sûr? Jamais. LR craque-tu, tiens. J'aime bien les consonances en U. Ok. Je trouve que ça a beaucoup de charme. Mais il me re-roll juste pour U. U. Ouais. H2O. Intéressant. Joli. Intéressant comme pseudo. Tu fais partie des élus. Alors prenons un pseudo normal, d'un homme normal, comme notre très cher président. Arthas. X-Microgus. C'est en US. On dit c'est parti. Ah, H2O a refusé. C'est triste. Voir plus de réponses. Tiens, toi. Toi, je vais te prendre. Un peu comme ça, au hasard, parce que j'ai décidé. Oh, encore un qui a décliné l'invitation. Eh bien, dis donc, vous êtes nombreux à décliner. Allez, vas-y, ouvre, comme ça, on va pouvoir le temps de le faire. S'il nous reste 48 minutes. Ouais, ça va, il reste... Mais alors... du coup, tout le monde a refusé. Bon, c'est triste. Ok.
Ah bon, bah voilà, toi je vais te prendre quand même parce que ton pseudo est apparu dès le début. Mange des pantoufles. Mange des pantoufles. Ah bon, not found. Ok, bah c'est pas grave, du coup j'ai invité une seule personne et comme tout le monde bug. Y a Alpha, vas-y, invite Alpha. Ouais, c'est beaucoup de. Oh, bon, ça en fait deux. Ouais. Ok, c'est parti, Alpha, si tu veux. Bon, allez, je prends un mec au pif quand même. Empereur Doudou. C'est parti. Au pif. Bon trip. On t'a vu dans les tout premiers. Cependant, il n'y a pas que pour un seul empereur ici, c'est moi. C'est vrai, Noah l'enfant roi, souvenez-vous, qui habite dans la cité interdite en Chine et qui nous est prêté pour les émissions du mardi soir. J'ai parqué ma licorne. Empereur Doudou qui accepte pas. Bah, ça va se faire à la rapidité, écoutez, parce que j'en ai marre d'inviter les gens et qu'ils acceptent pas. Donc, le mot de passe, c'est du 1 au-dessus du A au 0. Et vous tapez tous les trucs. Oh, Empereur Doudou qui est venu. Et vous arrivez à la fin. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 en haut. Et bien sûr, pas en chiffres. Et on est parti. Et on est parti donc dans la game. Interesting. Alors, que vas-tu jouer? J'hésite fortement. J'ai des. Je veux bien jouer un petit ragassadé, tu vois. Y a pas assez de peur. Je trouve pas ça beau jeu. Ah si, mais Ramus AP. Sur le coup de bidon. Ramus AP. Ramus AP. Hein. Ah ben. Chacun son pic moisi. Udyr AP, si tu veux. En Ramus AP. Sur l'ulti, ça pouvait pas être marrant. Ouais, mais le truc, c'est que enfin, j'ai que deux sorts de dégâts. Ah, quoi, ouais. C'est... Bah, t'as l'ulti, la boule. Bah, ouais. Moi aussi, j'avais deux sorts de dégâts. En 3, c'est vrai. Non, j'avais 3. Ouais, enfin, faut voir les dégâts que ça faisait. L'ulti, c'est vraiment pas masse, quoi. Non. Ouais. Ouais, pas facile, hein. J'ai déjà joué Karim AP. Ça s'était pas révélé être très concluant, en fait. Bon, je peux jouer à l'Istar AD ? Non. Tu connais trop bien le pic. Arrête. Ça marche en plus comme truc. Ouais, c'est. Bon, t'as plus 14 secondes. C'est vite fait, quoi. Bon, Udyr full AP, vas-y. Udyr AP. Ouais, c'est parti. On va dans la jungle. Bah, j'ai l'impression qu'il y en a déjà quelqu'un. Non, regarde. Il y a copie ce qui est jungle ? Ramus, stop. J'ai fait ça hier chez Ips Go. Attends. Bon, je vais partir full AP. Oh, je vais rien avoir comme truc. Ah, bah, c'est ça de faire de pas faire ses masterises. Bon, bah, vas-y, hein. Regarde ça. Non, je prends ça. Oh, c'est pas AP! Bah oui, j'ai les masterises AD. Mais mec, tu crois que les autres c'était AP? C'était tanking. T'es scandaleux, t'es scandaleux. Mec, c'était tanking les autres. Bah oui, c'est déjà mieux qu'AD. Oh là là, petit joueur. Bah mec, j'ai un espèce de mix AP-AD. Je vais. Tout objet AD est censuré. T'as droit à aucun objet AD. Pas de vitesse d'attaque. Bah, dans Nashor, j'ai le droit. Ouais, c'est le seul. Bah parce que finalement, mec, Udyr Phoenix, l'intérêt c'est quand même de faire. Game 2, j'ai pas le droit, ok. Ah, t'entends ça qui est plate aussi. Ok, intéressant. Tintin. Et, ok, Shaka, donc, qui joue Poppy, Kilis, Zaira. Ça tryhard pas, en fait. Non. Emerdinger, Fiddle, non, ça tryhard pas. Pas vraiment. Pas vraiment, eux. Tu vas jouer où, Alpha Shaka? Alpha et tryhard. Il joue AD. Tu joues AD? Alpha et tryhard. Ah, donc, vous faites votre vous faites une duo lane. D'accord. Intéressant. Donc du coup, Alpha qui jouait Karim carrément, il fait pire que Tryhard là. Il me dégoûte. Et Emerdinger, Fiddle. Donc je vais avoir un des deux en face de moi. Et je joue au top, c'est ça là. J'ai joué au top. Je sens que mon Udyr AP noir va faire des miracles. Tu sors ta note d'Oran. Bon, je pense que je vais start Bottle. Je pense que je vais start bottle. Ou full consommable. Vas-y, prends 9 potions. Bah, je peux. 9 potions de ward. Je peux. Une ward dans ce cas-là, pas 2. 2, c'est totalement overrated. Attends, c'est quoi le jungler? Remarque, c'est un Karim, c'est relou. C'est un Karim, ça peut être relou. Ok. Bon, moi, je vais voir. Je vais improviser un peu comme Shaka. C'est la marque des grands, de toute façon. L'improvisation. Alors, du coup. Bon. Tu peux aller serre bleu. Oh, casse-toi. T'es un ouf. Ouais, je vais faire ça.
c'est moi qui suis top. Et donc, ah oula, attends. Avant d'appuyer sur n'importe quel bouton, je vais virer des sont contrôles. Très bien mes contrôles. Ça, je le vire. Mais mes reset all, tu as. Non, non, c'est bon. Tiens, je mets du smartcast. Rudy. C'est important. C'est très très important. Souvenez-vous toujours. Ah, le joueur Smartcast, ouais. Tu joues quoi, Udyr? Tu joues Smartcast, Udyr, incroyable. Trop puissant. Mec, moi je joue Smartcast Sona. Alors j'ai quoi comme ratio? Ouais, c'est pas ouf. Je dois refaire avec. Beau jeté de briquet. Très très beau jeté de briquet. Bon, très bien. Et je vais jouer contre. Alors c'est qui était au top? Oh, cassez-vous, putain. Tu vas te faire flash. Potion. T'aurais pu survivre en la claquant avant. Ouais, peut-être. C'est pas grave, je l'aurai pour la lane. Pas mal, hein. Ouais, un départ intéressant. Fan aussi de mon sort que moi. Tu t'étais fait First Blood aussi? Non. Ah non, tu t'étais pas fait First Blood. C'est toujours une mauvaise idée de rester dans ce buisson à la console. T'as plus de flash? J'ai plus de flash. Il le jouait comment son Icarim? Il le jouait tryhard. Ah oui, mais il est tryhard à 1000%. Alors. Il y a un build, il y a AP, AD, support, tank, et le build tryhard. Voilà. C'est intéressant ce qu'il fait le fiddle. 9 popos de mana. J'aime beaucoup. 9 popos de mana. Il va elle jouer joue contre moi. Klis, elle joue bot. Attends, ils sont 3 bots? Ah non, on a fiddle top avec. C'est fiddle top et c'est donc Hammer mid. Alors du coup, c'est vrai que j'ai pas de rune AD. Bon, il va falloir que je sois. Bon, je peux pas être moins bon que toi, Lastid, c'est pas possible. Ah, avec Nami, avec tu serais moins bon que moi avec Nami, franchement, tu me ferais peur. Bah, allez, pose-la ta ward. Bah, pas encore. Je vais attendre un peu. J'espère qu'il va te regank. Oh, ah oui, c'est vrai que maintenant tu t'éjectes du feu dès que t'arrives, quoi. Ouais. Genre t'es devenu un peu précoce avec Udyr. C'est ça. T'es un homme qui sait s'y faire, finalement. Allez hop. Bon, ça j'ai loupé, c'est pas grave. Et là, je sens que c'est le timing de la voix. Jamais là. Ouais, parce que moi, en général, les top laners, je sais qu'ils la mettent dans le tri, donc je viens pas à la river. Après, bon, peut-être que Alpha fera pas ça, j'en sais rien. Oh putain, c'est mal. Il est parti pour de la tryhard, hein, faut faire gaffe. Ouais. Attends, je vais régène un peu. C'est bon, ça, si on veut dire. Après, ils ont enlevé la régène de mana quand même de sa stance de la tortue. C'est quand même assez scandaleux, je trouve. Non, arrête. Bah, mec, c'est pas non plus comme si le pic était non, pété. Le pic est débile. Bah, il est débile, pas forcément, sinon il serait mal joué, tu vois. Bah oui, mais il est débile et il est nul. C'est pas un perso qui me manque, hein, Udyr. Oh, vas-y, casse-toi, Alpha. T'es vraiment un vieux tryharder. T'es tellement un tryharder. Hey, allez, bottle, rebottle. C'est bon. Tellement un tryharder. Bon, bah, je vais devoir attendre sur ma tour pour pouvoir régénérer la sens de la tortue. Hein, voilà. Donc, je fais S et je regarde les autres lanes. C'est intéressant. Comment ça se passe, bot? Oh. Ouais. Continue. Ils sur ton là. S. Attention, hein, tu te prends quelques rebonds malchanceux. Il n'a que le nœud. Tu m'as pris pour un jambon. Dommage. Oh, j'y ai cru. Ça s'est pas passé. Ça s'est pas passé. En fait, c'est con parce que j'ai pris une deuxième stance de Phoenix. Et si j'avais pris le beer, en fait, je l'aurais tué. Oui. Bon, j'aurais dû prendre Phoenix. Voilà, je le saurais au moins. Du coup, je vais faire un séculaire. D'accord. Un séculaire, parce que je le sens plutôt bien. Et alors après. Là, je vais me prendre des wards qui me cassent les couilles à me camper. Quand même. Et je ferai les boots après, je pense. Petit séculaire sur Udyr, un stuff assez original. Non, ça va, y'a pire. Oh, oui, complètement. Et donc, mon jungler, c'est complice. Regarde-moi. Ah ouais, je suis attentif. Qui vient prendre ton farm dès que t'as les yeux tournés, qui pousse bien ta lune comme il faut, t'as vu, il la pousse pas jusqu'au bout. Oh là là, quel gros bâtard. Ah, c'est gentil, copine. C'est gentil. Ah, oh mec, je vais tellement lui cracher dessus quand je vais revenir ce soir. Ça c'est pour voilà, c'est pour le folklore. Hein. Oh. Oh.
Alors Fidel, si tu m'écoutes, fais attention, il y a Copis qui veut te gank. Non, dis pas ce genre de choses. Il mérite pas d'avoir ce kill. Une petite toile dans le tri, histoire 2. J'ai plus de flash. La ronde du rond, qu'est-ce que tu fais, Copis? Tu veux pas le donner quand même. Okay. Ah ouais, il aura sur le tour comme ça, il est chaud, hein. Il est chaud, l'ami Copis, quand même, faut pas croire. Ça donne mine. Hein. Mais il farme chose. Ah mec, j'essaie de montrer l'envers du décor aux gens. Je pense pas que tu sois si bien avec Fidel contre Udyr. Bah non. La stance de l'ours. Le problème, c'est que j'ai du mal à arriver au corps à corps. Hein, donc qu'est-ce qu'il va nous faire, Copis? Counter jungle, Karim est en bas, ok. Et on revient pour la steal sur la lane. C'est cool, tout va bien. Ah, regarde, le beau counter jungle de la part de Copis, c'est beau ça. Ah, ça c'est ça qu'on veut voir, c'est grand. Je l'ai vu, je l'ai vu. Bon, là, c'est t'es pas ouf non plus. Ouais, mieux que toi, mec. Ah oui. Bah, heureusement. C'est pas très dur. Mange, vas-y, remange du phénix. Oh là là. Oh, ce beau teamplay. Oh là 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 là, c'est magnifique. Mais Copis qui prend son tribut sur tes creeps. Ouais, toujours. Allez, on reclaque la séance du phénix. On démonte du creep. Allez. C'est pas rejoué, Udyr, d'ailleurs, ça m'étonne. Bah en fait... Parce que le jungle en finit, ça va vraiment clean vite. Hein. Ça va vite, mais il y a... Franchement, ils ont fait un rééquilibrage qui est un peu chelou. Hein. Il a perdu sur certains points. Notamment, il est beaucoup moins tanky qu'avant. Il est beaucoup moins tanky qu'avant, le Udyr. C'est un peu le problème, je trouve. Enfin, son passif avant était sympa, parce qu'il permettait de... Quand tu stackais de la résiste, ça envoyait la sauce quand même. Je quitte cette vague à l'arrache. Oh là là, il en a pas eu un, même en y mettant de la bonne volonté. Copis, Copis, Copis. Ouais, ça pousse à faire ta tour quand même. Attends, je vais laisser crever. Oh, c'est dur ce qui vient de se passer. T'as ton ignite dans 10 secondes. Pas besoin. Vas-y, charge-le. Quel ignite? 5 secondes l'ignite. J'aurais tellement dû utiliser ma stance de l'ours. C'est dommage, ça sent mauvais là. Mais j'ai fait énorme, j'aurais dû utiliser ma sens de l'ours au lieu d'utiliser ma sens du phénix. C'était naze. T'as été greedy, t'as voulu choper le kill plutôt que de stun pour ton équipe. J'aurais dû stun. Ouh. Et au bot, qu'est-ce qui se passe? C'est un peu en doudou. Bien joué, Killis, beau route. Il s'est fait mailleter la face. Très très beau route. Par l'attendrisseur à viande de Poppy. Oui, de Cookie, le fameux. Ah. Attention, qu'est-ce qui se passe? Thresh, Mistogan. Mistogan, un peu comme Hulk Hogan. Oh, c'est beau jeu! Il a ramé sur la tour, c'était magnifique! Ah, ça pour le coup, c'était un. Ah, j'ai apprécié. Du fat move. Ouais. Et je vais aller prendre mon blue buff. Il est où? Il est pas là. Vite. Est-ce que vous entendez? Spam, ourson. On fait monter les APM chez Chips. Tu préfères une larme de la DS et te faire un mur à mana. Ah, ceci dit, c'est pas totalement faux. Nouvelle méta, mec. Séraphin. Pourrait être intéressant. Est-ce que tu laisses le bleu? Ah, il a pris! Ah, la déception, il se la smite, je sais pas. Le Nabo, là. Avec son calamar sur la tête. Je vais gank comme il. Donc il y a de l'animation possible. Un petit stun. Non, pas de stun. Bon, moi je vais counter jungle. Quoique, pas sûr que ce soit une idée brillante. Non. Il y a du creep au top. Il y a du farm, enfin il y a du beef au top. Il y a du monde. Qu'est-ce qui se passe au bot? On peut en doudou. Chaka. Qui résiste bien pour l'instant, qui fait de bons dégâts. Oulala, le grab. Pas de grab. Pas de cooldown, à mon avis. C'est qui là dans les buissons? C'est Fidel ou c'est. C'est Fidel, tu peux prendre un ulti sévère? Ouais. T'aurais dû garder une ward pour les buissons. Ouais, du coup, je sais pas si c'est Fidel ou fais voir un peu ce qui se passe au bot. Oh, le bel ulti au corps à corps de la part du SD. Oh, le poisson qui a été claqué sur Killis! Et nom. T'es en train de te faire défoncer. Hein. Ouais, je sais. Tout le monde, tu regardais pas. Si, je regarde. Enfin, je savais que je me faisais défoncer, mais après, bon, il suffit de spam ours tortue, je peux rien faire à part ça, quoi. Je me doutais qu'il y avait une fourberie qui se passait dans le coin et était passé par derrière Capi013. Pas mal. Méchant Udyr, Phoenix, AP, ça,
du potentiel. Oh, les bons dégâts de Copic, c'est pas mal. Flash out de la part de The Rigab avec son Hammer et au bot. La botlane qui lisse Shaka qui a des troubles. Tout à fait. N'hésite pas à les interroger, Noah, sur leur partie. Si ça peut intéresser les gens. Je vais essayer de comprendre les enjeux de cette stratégie, en fait. Alors. Quel est le but de la stratégie? Quel est l'enjeu? Alors, le but, c'est one shot le Haze, et si ça passe pas, basta. Est-ce que ça partirait pas sur une dévastation en mode AP, là? Non, on va troll. On va faire plus AD plutôt que du burst, quand même. On va pas partir sur du full AP. Et alors, 36 au farm contre 36! Ben, et 4 kills quand même! Ah ouais, en fait, on se moquait, mais il y a quand même 4 kills chez Poupy! Bah depuis tout à l'heure, ça enchaîne hein, sur la botlane, il y a beaucoup d'animations. Ah c'est assez sévère, que j'essaie de suivre au maximum. Puis là je sens qu'il y a bientôt un outil qui va te claquer sous la tour. C'est quoi le support en face? Thresh. Voilà le beau jeu. Bon, il y a peut-être un petit fils qui counter au bon moment. Et du coup. Et il n'y a plus de mana. Oh, le poisson de la part de Copic qui touche. Ah, c'est dur. Absolument incroyable. Ah, c'est dur. Il n'y a pas beaucoup de réussite. Ah, le kill qui est pris. Solidité en bas. Solidité. Alors, j'ai pas vu le moment où il prend le kill. Je crois qu'il y a un creep qui a balancé une petite boulette de la mort. Genre, un peu l'impact primordial de Vega, mais en moins bien. Pendant que Chips. Alors, est-ce que tu vas y arriver? Non, c'est chaud. C'est chaud. J'arrive pas à le péter en 1 contre 1. Oh merde, ouais, j'ai cliqué sur la... Oh, bon, de toute façon... Il a un outil, c'est vraiment... Il me dégoûte, Alpha, c'est le pire des tryhards. Alpha, il a fait quoi comme ça? Ah, franchement... Ah, Alpha. Ah, mec, il tryhard... Ah, il a fait AP, hein, il a build AP. Ah, il a build AP. Il fait beau jeu, il fait beau jeu quand même. En fait, ouais, d'accord, ok. Bon, il focus, hein, mais ça, c'est normal. Ouais. Mais il fait beau jeu. Et en fait, le fiddle, je peux pas du tout le prendre en 1v1. J'ai tenté un peu, mais... passe pas. Mes dégâts sont un peu inconstants. Bon, en fait, si tu stun son drain, ça devrait aller. Bah, c'est ce que j'ai fait, mais écoute, ça s'est pas révélé payant, quoi. Je suis un peu déçu, du coup. Qu'est-ce que ça donne, mid? Bon. Et mid, on a 93 creeps pour Emmer Dinger contre 46. Mais il a 5 kills, Copic. 107, t'entends ça? Ah, Syndra, c'est vrai que c'est Syndra. Je mettais Fizz au mid. Oh, ça farme dur. Ça farme dur. Ça farme bien. Udyr, Phoenix. 47 creep. Ça farme plutôt. Ouais. Ça farme plutôt pas. Bah, tu sais, finalement, le fiddle, il est quoi? 10 creep devant? Peut-être même pas. J'ai pris sa tour avant, j'ai roam un peu. Bon, finalement, ça se tient, quoi. Alors, et qu'est-ce qui se passe un peu pour ton équipe? Ouais, t'entends ça? Est-ce qu'il va réussir à venir en bas, en phase, au bout de la menace? Elle est pas animée, elle est moins animée que la mienne, Talane. Ben... Ne dis pas parce que cette humeur moins, ça n'a rien à voir. Ah, il y a un petit rapport quand même. Ouh là là, solidité du farm. Incroyable. Farm avec le boss, et je sens qu'avec Copic, on peut faire de grandes choses. Ouais, puis là, t'es bien tanky, je pense que tu vas pouvoir bien dive. C'est ça, mec, t'as tout pigé. Tout pigé à la stratégie. Tiens. Voilà, ça a été vu, ça a été complètement vu. C'est Ward? Ça a l'air wild ici. Peut-être. Et voilà, il n'y a pas de petit profit, hein. Tu laisses pas tout le bif à ce linge de Copic. Oh là là, le trash, j'arrive à la rescousse. Ils y vont, il va. Ouh, il s'est fait blaster à longue distance, très très longue distance. Pas mal du tout, gros ulti de Syndra, ça fait mal. C'est Syndra qui tryhard aussi. Hein. Ah, pour le coup, lui, il tryhard vraiment. Bon, Syndra, ça va. C'est un bon perso, n'empêche. C'est un bon perso, bien sûr. Alors là, il n'y a rien à dire. Quand tu vois entre les mains de... De Bjergsen, ouais. De Bjergsen, ça fait très très putain l'enfoiré. Un perso, j'aime beaucoup, moi. Syndra, ouais, c'est assez dynamique à jouer. Ouais. C'est beaucoup t'es toujours en train de spammer quelque part. Alors, bon, je pense que t'as aucune chance de le choper. Hein. Pareil, à moins qu'il soit vraiment nul. Il a failli être très nul. Il a failli être nul, ouais. Il n'est pas loin de la nullité absolue. Attends. Il y avait quelqu'un là? Non, il n'y avait personne en fait. S'il y avait Poppy, hein. Je me disais bien que j'avais vu quelqu'un passer. Oh, tu t'es provoqué par Fiddlestick! Oh!
Ça va, hein. Finalement, il est là pour l'instant, il est derrière au farm. Il est où, lui dire ? Pour l'instant, il est derrière au farm. Qu'est-ce qui se passe au mid ? Killis qui prend de gros dégâts. T'entends ça ? T'entends ça ? L'ulti de la part de Zaira pour histoire de tenter disant oh, énorme stun de la part de Joli stun et les bons dégâts. Ouh, c'était compliqué. Il déconne zéro, t'entends ça, faut dire qu'il a un pic un peu tryhard quand même, mais bon faut, là il fait le taf. Ouais, le premier proc il fait tellement mal. Le premier proc est assez sympa, c'est vrai, pour la nouvelle stance. Le premier proc est assez sympa. Tu fais un peu les dégâts, le ratio AP il est tout pourri. Hein. Ah, c'est dommage, la charge de Alpha qui lui permet de s'en aller. Attends, je vais essayer de dive. C'est dive, j'ai mon flash. Et j'ai pas mal de gold, je pense que je vais pouvoir finir mon. Allez. Moi j'ai du flash par le sur route. Covid. C'était chaud quand même. Pas de réflexe. Bah, surtout que je l'avais pas là. Fait que je me rapproche encore un peu. Oh là là. Oh Fiddle, fallait pas passer par là. Oh, il est où Fiddle ? Allez là, il est où Fiddle ? Baisse ton froc, mec. Attends. Et Chaka qui va essayer de se taper copine. Il va y arriver. Allez, je prends le kill là, qu'est-ce qu'il y a ? Oui, copine, crève. Revanche perso de noix. Allez, à tour, les bons dégâts qui sont faits par Chips. Avec un ça, t'as des gold, il faut que t'ailles finir ton séculaire. Ouais, je sais bien. Parce que là, tu vas prendre une grenade, une roquette, ça va te surprendre. Oh non. Il devrait pas m'avoir. C'est ok. Et je vais effectuer mon bac noix, comme tu le suggérais, de façon très sage, je pense. Du coup, Boots. Bon, plus tard les Boots. Ouais. Allez, Boots de sorcier. Boots de sorcier, je pense à célérité peut-être, mais. Sorcier, beau jeu. Il te fait la pénétration magique. Sorcier, beau jeu, ouais. Il me faut sans doute de la pénétration magique. Je pense que ouais, ça va être le cœur du problème chez moi, ça c'est clair. Alors avec ça je peux faire quoi ? Bon je vais faire un. Le lion de rire à Elé, je pense que t'es pas mal hein. Ça peut ne pas être débile sous le sens du phénix, ouais. Petit Riley, petit Liandry, oh t'entends ça qui se fait charger par Chaco ou Chaka, on sait pas trop. Oh t'entends ça, les énormes s'il y arrive, il prend le kill avant de mourir. C'est magnifique. Et 500 gold pour Chaka or Chaco. Et Hippopis, ça va être un problème en late game, n'empêche. Hippopis, mec, face à mon Udyr, je vois pas ce qu'il pourra faire. Ouais, c'est vrai. Oh, il était dégueulasse. Insulte-le, s'il te plaît. Ouais, Killis qui prend des bons dégâts. Le bump, la lanterne. Oh. Ouais, flash. Voilà, l'ignite. Ouais, il va pas s'en sortir, lui, quoi. Ouais, je sais pas si sous les tours, c'est. Ça fait mal. Oh, Je l'avais pas vu crever ici. Le trap. Je l'avais pas vu crever ici. Putain, je me suis fait rabattre comme du gibier. It's a trap. Je l'avais pas vu crever. Ah, ce guet-apens que tu t'es pris. Ouais, carrément. Il y a quelque chose à faire, Copis, là. Tellement de teamplay chez cette équipe rouge, je sais pas ce que vous allez faire contre ça. Ah, tu les sens bouillant. Alpha. Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait un viage spirituel. Ok, donc. Masse voile de vie. Masse pelle vent, ouais, sur son. Je sais plus comment ça s'appelle ce sort. Ouh, je sens qu'en bas il y a du. Oh non, il y a Copis, ok, j'aurai rien. C'est Yomid plutôt. Sur son encéphalopathie spongiforme équine. Tu crois que le spell s'appelle comme ça ? C'est une carte de tempête sur l'échiquier. Ah oui. C'est pas mal. Encéphalopathie spongiforme équine. Jeu que tu apprécies. Oui, on a, en fait, moins maintenant, parce qu'on a tellement, on connaît tellement les cartes par cœur avec un poste avec qui on a beaucoup joué, que maintenant ça a un peu une perte d'intérêt. Ah, c'est triste quand même. Ouais, on a trop masterisé le jeu, en fait, c'est ça le problème. On l'a trop saigné, on y a joué des heures et des heures et des heures. Je comprends ce que tu veux dire. Parce que Noah est un tryharder, sachez-le. Vous lui donnez un jouet entre les mains, il lui retourne. T'as déjà fini les cubes à la con, là ? Des cubes à la con. Tu sais où il faut faire les phases de couleurs. Oh putain, ça fait mal quand même. Ah, je déteste ça. Ouais, moi non plus, j'aime pas trop. Et bon, faut dire que je suis nul aussi. Je pense que ça m'aide pas à apprécier. Tout ce qui est géométrie dans l'espace. Donc, typiquement, le petit cube. Je suis une énorme bouse. Intéressant, comme moi. Ça fait mal quand même ce proc à la con. Ah oui, ça fait mal. Ça fait combien ? Montre-moi. Ça fait plus 66, 200, plus 66, ouais. S'il te plaît.
T'es bon, dégâts ? Ah, c'est pas mal du tout, en fait. Hein. C'est pas mal du tout. Ouais, t'as un ratio de 0,3 environ. Oh, ce qui est absolument énorme. Bah ouais. Il n'y a pas beaucoup de ratios qui valent celui-là, je pense, non, dans le jeu. Non, même Nunu. Ah, même Nunu. Hein. Même ce Nunu, pas, pas... Oh là là, c'est gratuit. Regarde, on est à la barbe de Alpha qui va sûrement t'arriver dans les dents. Ouais, je pense. Allez, on veut du proc, on veut du proc, on veut du proc. Allez, allez. Ah, il est pas là. Oh là là, oh là là, oh là là. Oh Alpha, si tu nous entends. Allez, là, tu t'es fait jambonner. Tandis que, oh là, comment ça se passe ici? Ouh, pas mal, Copis, tu dis quelques dégâts, intéressants. Hulk Hogan, Copis qui va faire la différence, qui se fait route. C'est toi qui va faire la différence, c'est toi qui va faire la diff. Là, ici, maintenant. Il y a Syndra qui arrive, ça peut le faire. Je suis un peu tanky quand même, ça peut le faire. Ouais, mais défonce Syndra. Hein. Ça peut le faire. Oh là là, t'arrives à temps pour le kill, non? On partage pas ici. T'aurais dû faire Syndra. Ah, oh, saloperie. Tu vas faire Kite to Death. Oh le Boston, je t'aime, t'entends ça, je t'aime, tu vas crever pour moi, c'est pour ça que je t'aime. Oh le flash raté, allez! C'est pas mal, oh c'est le pas beau mal. Jeu! Oh pop, non! Là je t'ai vu venir, mais de très très loin. On me la fait pas deux fois moi. Pas comme le Bayern. Oh là là, bouh, un peu hors doudou, t'as fait rentrer le loup dans la bergerie. Oui, on dirait. Le Bayern. On dirait. On reprenait votre Zlatan, on en parle faire, plus. Je fais une Kage, Noah, et j'ai fait mes boosts de pénétration magique. Bon, je sens quand même que je suis sensible au kiting. Oui. Je sens que ça peut être une source de problème pour moi. Je pense que tu vas pouvoir y arriver quand même. 3-0 de fuck. Le Bayern a mis 3-0 au Barça. Ouais, ils ont le cheat. Balèze. S'ils n'ont pas fait le beau jeu, ils ont tryhard. Sans doute. Pas trop le genre du... En général, les Allemands, ils tryhardent. Oui. La culture du beau jeu n'existe pas chez eux. C'est l'efficacité qui prime, avant tout. Ouh, il y a une petite tête blonde à venir fumer, là, au mid. Oh, je t'ai vu. Non, je ne ferai pas prendre route. Non. Défonce-en, au hasard. Je crois qu'elle a mis des wards, du coup. Oh là là. Attends, il a... Ah, il a balancé... Ah, ouais, il a tout il l'a balancé ailleurs, c'est génial. Ça, c'est marrant. Tu peux tuer un de tes alliés comme ça. T'imagines ? Il y a des possibilités de tuer ses alliés, je pense. Hein. Ouais, c'est un des combos. Oh, le poisson. Mel Ignite avant qu'il se casse. Mel Ignite. Tiens, ça va faire la diff. Je t'avais dit, ça faisait la diff. Bien sûr que ça fait la diff, Noah. Bon, alors, je donne des cours particuliers. Voilà. 1000 euros de l'heure. Ouais, mais comme vous le voyez, ça le vaut. Hein. En une phrase, en un conseil, on a déjà senti la progression sur Chips. Il s'est chu là. Bait un ulti fidèle ou pas? Vas-y, bait. Ouais, fais check. Où est-ce qu'il est le fidèle? Fais check. Non, pas trop. Allez, avec une Kogan, j'y vais. Merde. Oh là là. C'est la tourmente. Oh, le proc! Ouais non. C'est pas le bon trip. C'est pas le bon. Flash. Ah le bâtard, il va me chercher. Allez. Brain. Oh mec. c'est quoi qui m'a tué? C'est quoi qui t'a buté? T'as mis l'ignite. Oh, ah bien joué. Je pensais pas que t'avais encore ton ignite. Je me voyais beau là. Là je me sentais de le stun et de te finir. Et ouais, tu m'as bien foutu de ma gueule. Bien joué. Faire un Morello. Je pense que j'ai besoin un peu de réduction. Non mais c'est l'objet de jungler sinon AP. Ah attends, ça c'est pas con moi. Tu as des idées brillantes cette game, j'aime beaucoup. Comme je te dis, tu pourras venir prendre des cours après le match. J'aime beaucoup. Tu as des idées brillantes. Là, je vais me transformer dans une espèce de... Pour qu'on gagne du temps, montez en diamant 1 et après, je vous prends en charge. Parce que voilà, prenez les bases quand même. Mais... et après, bah, je vous montre comment on passe Challenger. Parce que Noah a déjà... Tout le monde sur le chat, il dit de quoi il me parle, l'autre connard, c'est il a fait 3-9 à la dernière game. Regarde, Copy, tu vois ces creeps? Ouais. Ah, dommage. J'en ai pété pas mal. Hein. Ouais. J'en ai pété pas mal. Merde, j'ai 5 levels de retard. Donc Thresh qui est bien dans sa game. Ah, t'es pas bien niveau level aussi.
Bon, 13. Bon, regarde par rapport en face, c'est OK. En face, ça passe. Et c'est Ekarim qui a le plus gros level. Ouais, incroyable. Attends, push. Ouais, mais on sait pas qui y a dans le coin. Push. Tiens, je vais attendre là. Je sens qu'il y a une brebis galeuse qui va passer. Oh, bah, il est là. Je sais pas si tu le butes en AV1. Oh, viens là, Alpha. Ouh, celui-là, je l'ai évité. C'est bon, va faire une drame. Va à droite, à droite. Oh, bon, non, à gauche. Reste là. Ça back. Ah, Kilis qui back, je l'arrive sans le jambonnage. Allez, copies, allez, copies, petit bouge ton cul. Ah, dommage. Ok, j'apprécie les. Oh, merde. Oh, t'es beau jeu. Ah, là j'ai été super gentil. Non, ça va. Oh, t'aurais pu le laisser crever comme un hier. J'aurais dû. En toute logique, j'aurais dû, moi. Il aurait complètement mérité. Bon, vas-y, casse-toi. Faut pas être méchant, les copies. Il en est où dans sa game? Bah, il en est à 10-4. Ouais, 10-4. Ouais. Ah, il fait le taf. Il fait le beau jeu avec son fils. Il comment? Ouais, à full AP, quoi. Il a fait un 30-0-0. En jungle, dans c'est la jungle, ça me semble très dur, ouais. Ouais, un petit peu de. Ah, tu prends le tigre. Bon, de toute façon, je serais obligé de le prendre au bout d'un moment. Non, tu laisses les points de compétence. Ça me fera toujours une stance en plus pour faire quelques dégâts. Tu les laisses. T'en as pas besoin. T'as pas besoin de ça. C'est un truc d'AD. T'es pas parti pour faire de l'AD. Bah, finalement, les dégâts du proc sont en AP. Hein. Tu vois? Non. Si. Magic damage. Over 2 secondes. Ah, c'est en AP, ouais. Ouais, enfin, ça se cache sur ton AD. Oui, mais c'est des dégâts magiques. Donc finalement, c'est impacté par mes boots et par mon Léandry bientôt. Qu'as-tu à répondre? Voilà, l'argumentation était bonne. Elle est parfaite, mec. Elle est méthodique, non, regarde. Je vais le finir. Au dégât AP. Puche. Oh merde. Je l'ai pas eu. Pas grave. Oh. Oh là là. Oh, vous faites jambonner un Ashor. Tu pushes. Oh, ils l'ont eu. J'attends que Syndra fasse du très bon taf. En attendant, moi je vous comptez beaucoup sur Syndra, peut-être? Oui, énormément. C'est bon, regarde. Rentabilise. Oh là, Alpha qui s'est retrouvé tout seul, il n'y a plus beaucoup de mana sur Syndra. Donc Chips push tel un seigneur. Complètement, mec. Et je vais prendre la tour, tu sais quoi? Ah, le proc du tigre. Vas-y, calme-le. Tu le calmes. Il n'y a personne, il y a Thresh qui arrive. Balance-moi ta lanterne. Tu le calmes, le beau jeu, bats-toi, meurs pas sans te battre. Ah, je vais aller chercher la lanterne ici. T'iras tellement pas en Valhalla. Bah, clairement pas, là, mec, là, clairement pas. À la limite, tu vas peut-être être le jouet des Valkyries, mais vraiment si t'as de la chance. Intéressant, cet item. Donc, on a oublié le Rayleigh Léandry au Blade Jungle. Intéressant, cet item. Il me tente. Il te tente, Il me tente bien. Moi, j'ai Rayleigh Léandry. Ok, bon, Rayleigh. C'est Léandry, moi, beau jeu. Bah, vas-y, fais ton truc, t'as 820, tu peux acheter ton codex. Bah, je. Ah, ouais. Vends ta botale. Allez, c'est parti. Ok, beau jeu. Je me sens fou. Petit bracelet de mental, histoire de burst avant que mes flammes phénixiennes s'abattent sur mes adversaires. Il y a beaucoup d'idées là-dedans. C'est reparti mid. 4-0. The fuck? Incroyable. Incroyable. Je donne des arômes à mon équipe. Oh, attends, il y a une popie. Utilise la part de trèche, chaka. Ah, ils mettent tout, ils veulent. Ah, le grab, il touche pas. Ouch! Oh, elle est là, je prends le kill, qu'est-ce qu'il y a? Ils ont tout mis là. À moitié. Au copit, ça peut être très beau. Au copit. Ça peut être très beau. Copit de poisson. Copit qui se prend en kitting. Copit qui va. Oh, vas-y. Et Chips qui arrive. Pour le beau jeu, pour le finish. T'es pas très tonky. Hein. Bah, j'essaie, mais j'avoue, il me manque un petit Rayleigh, quoi. C'est. Bon, allez. Par contre, attends, mon shield, en qu'est-ce qu'on met du coup? Parce que quand même, mon shield est tapé. 200 plus 126. Ouais, donc finalement, correct quand même. Ouais, t'as un ratio d'un demi. Ouais, pas dégueu, le chien. Attends, alors toi. Oh, l'intervention de Alpha qui essaie de sauver Copitz dans la tourmente, qui se prend le fear. Copitz qui ne tombera pas. Allez, là, je prends le kill, mec.
Ah, vous allez win en plus. Je sais pas si on va win, ouais, mais... Oh merde. Vas-y, retourne-toi et bats-toi. Ou pas. C'était qui? C'était Poppy. Ou Megapa. Oh, 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 oh. Il va se reprendre en kiting to the infinite kiting. Oh, mais attends, mais il a combien? 12, 1, 7, et il fait mal. Ah ouais. Il est un peu tryhard quand même. Il est un peu tryhard. Pearl Stuff, on est alpha dans son Ikari mappé. Pas mal. Pas mal, pas mal. Il manque un Yondri. Sup Chaka. Tu le connais? Ouais. Ah, d'accord. Ouais. Tu trouves pas qu'il tryhard un peu, Chaka? Un peu quand même. Ouais. Un peu, on est d'accord. Hein. Alors moi, j'ai entendu un de ta mère, mais je suis pas sûr. Du coup, bah oui, je suis parti sur mon bracelet mortel, c'est bien ça. C'est bien ça, non? C'est ton niveau 16. Pour pouvoir skiller le tigre. Et pour faire plus de dégâts magiques, du coup, tout à fait. Détail important. Attends, tu vas changer quoi? Un facility spell, c'est bien ça. C'est bon. Pour le bracelet mortel. Ouais. C'est un des seuls trucs que j'ai en facilité. Ah ouais, parce que si tu joues 100 pour mettre un bon combo, après, bon, Udyr, ça va pas être très dur de mettre un bon combo, parce qu'en même temps, j'ai pas grand chose à lancer, quoi, mais. Non, mais j'apprécie le beau geste de mettre tes 100 en facilité. Hein. Vraiment, c'est. Tu sens, ouais. C'est là, c'est, en fait, c'est la touche de différence entre le pro et le joueur lambda. C'est ça. Le pro, il joue Udyr en facilité. Tu viens de... Ça t'a tué, ça. Quel move dégueulasse. Et là, vous allez vous faire un smite. Non. Vas-y, fonce. No out smite, bitches. Bats-toi. Ou pas. Oh. Attends. On a bien qui va fêcher. Ah, oh, dommage. Oh, t'as un chaud, oh, t'as un chaud. Oh, les dégâts, les bons dégâts, les bons dégâts. Ok, bon, t'es tout seul par contre. Ta 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 ta. Allez, roquette. Petite roquette de finish. Ah, je me suis vu trop beau au niveau de ton. C'est bon, ta grosse baguette là. Je me suis vu beaucoup trop beau. Tu as raison, moi, donc là, je vais pouvoir burst down, je pense, quelqu'un. Ça va le faire. 40 d'AP, il faut voir, t'en as combien sur ta tortue par exemple? Sur ma tortue. Ah, là, tu vois. Ça tank, hein. J'encaisse 400 points de dégâts. Ce qui est pas dégueu, et là je mets un proc à 350. Ok. Ok, les rouges qui pushent. Les rouges qui pushent, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, on va perdre cette tour. On va perdre cette tour, mais pas la suivante. Quoique, ah si, on va la perdre. Si, ça, quand même, la perdre. On va quand même la perdre. Bon, il nous a fait mal quand même leur Nashor. Hein. Ils ont réussi à 34-32. Alors, il y a des équipes qui se décident à finir quand même, parce que je pense qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Peut-être qu'il nous reste peu de temps, non, peut-être qu'il nous reste peu de temps. Combien de temps nous reste-t-il, Cardel? Combien? Une minute. Une minute. Il nous reste une minute. Bon, on va dire qu'on peut déborder de 10 minutes. C'est ça. De toute façon, après c'est nous. Alors là, après c'est nous sur Footmania. Oui, c'est ça, donc finalement, bon. Je sais que je vais galérer à rentrer chez moi dans tous les cas, donc. Voilà, c'est pas... On va passer à la maison sur une petite game. Ouais. Allez hop, vous l'avez vu la petite accélération vers le creep là? Hop. Défonce-le. Lui aussi, lui, il a insulté tes parents, il a insulté ta famille, ta deux sœurs, il a dit un truc sur elle. Clairement. Et regarde ce que je lui mets d'ailleurs. Voilà. Défends l'honneur de la patrie. Comme de Zizou, famille, mec. De la lignée, s'il te plaît. Défends ton héritage. Je vais mettre un coup de tête comme Zizou. C'est pas une question de combat, c'est une question d'honneur ce qui se passe ici, Chips. Engage, Alpha, on a l'arrivée. Oh là là. Aïe, Chaka, Chaka, ça pourrait faire très mal. Chaka. Sans pitié. Oh là, les bons dégâts d'étoiles. Oh, et le bon ulti final. Il fait mal celui-là, il est très fourbe, il fait très mal. Qu'est-ce qui se passe au top? Et c'est un ace. Ça fait mal. Ouais, demande-leur un push final. Bah, je sais pas s'ils vont pouvoir, hein. Je suis pas sûr qu'ils puissent. Hein. Ils vont peut-être 40 prendre... minutes, messieurs, nous devons live la game. C'est ça. Et donc, toi, tu peux peut-être rappeler donc, qui sont nos invités et pourquoi ils sont là. Alors, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, donc on a accueilli Kilis et Chaka.
Donc Killis et Chakad, alors vous les avez peut-être vus sur plusieurs events en tant que cosplayer. Donc Sivir et Chaco. Ouais. Donc j'ai toujours mis une mention spéciale au tong de chacun. Oui, que je trouve vraiment réussi. Et ben, en plus d'être cosplayer, ils sont entrepreneurs puisqu'ils vont faire un bar gaming à Nantes, le Game Over. C'est ça. Et ils demandent un peu de votre aide pour lancer dans ce projet. Donc bien sûr, ils ont déjà fait des emprunts, ouais, etc. Une aide menu par rapport on va dire au bonus de satisfaction à votre courbe d'utilité maximisée à Nantes. Et pour faire un bar gaming, donc avec des PC. Et ouais, on repasse des cours déco, on est chaud. Et donc pour faire du bar gaming à Nantes, donc pour de la bonne beuverie, voilà, pour aller l'année après le boulot, l'after work, une bière devant un PC avec des gens. Peut-être Cardel que tu peux montrer cool. Vite fait dans un encart le plutôt projet que de manager. Montrer Chips, tu rajoutes une fenêtre ici là. Donc là. Ah, à la place de la game, mais bon, c'est pas grave. Et donc Game Over, donc voilà, vous pouvez participer. Moi perso, alors chaque geste, alors pour avoir fait un crowdfunding pour TeleZen, on vous a remercié énormément, mais chaque geste est important vraiment. Donc par exemple, moi je mets 10 euros juste pour mettre un nom à la con sur leur tableau. Très important. Pour que Rardoise ne ressemble à rien, qu'il y ait plein de mots genre Jean-Pierre, Natacha, etc. Et après il y a big fat noine de place au milieu du tableau. Donc je pense que ça vaut bien 10 euros. Sur quel site sur c'est le site Main Major Company. Donc vous pouvez trouver ça dans les. Alors je sais pas en quel projet ça se trouve. Dans parce que c'est classé en catégorie. Vous tapez Game Over ou Bar ou Bon Trip. Voilà. Ou e-sport, je crois que ça marche aussi. Je crois que j'avais trouvé en tapant e-sport. Bon, si vous trouvez pas sur Bon Trip, essayez quand même Game Over. Et donc voilà, projet fort sympathique. Plus on aura de bar gaming et plus mieux ce sera. Comme ça, on sera plus obligé d'écouter vos inepties sur le Bayern-Barça. On en a rien à battre de qui s'est pris 4-0 ou où a mangé votre grand-mère à midi. Oh, copite. Et donc, on va faire qu'on rende l'antenne. Oh, j'ai pas utilisé mon rassure sur un ace. Donc, on va estimer que l'équipe adverse gagne la partie. Ouais, je pense, ouais. Je te propose de te déconnecter, mais non sans avoir dit. GG, well played. GG, WP, Yinz. Et maintenant, tu peux rage quit en paix. Tout simplement. Et je n'aurais pas perdu cette game finalement, puisque résultat blanc. Donc tout se passe bien. Chips a vaincu aujourd'hui. C'est ça, exactement. Mais comme d'habitude, j'ai envie de dire, hein, Udi Rappé, un pic qui a de l'avenir. Hein. On a. Allez, il nous reste 2 minutes. Donc je propose à chacun. Notre magnifique duo d'invités de nous rejoindre, avec chacun qui dise de nous rejoindre, ouais, pour le petit goodbye, et s'ils ont un petit mot à rajouter pour parler de leur petit bar. Ah, c'était chauffé la place. Ah, cool. C'est vrai que c'est chaud. Alors donc bon, vous avez trouvé comment les parties? 2 victoires pour vous finalement, carton plein aujourd'hui. Plutôt voilà. Satisfait moi de mes games. Hein. Bon alors, quel était l'adversaire le plus compliqué, Noah ou moi? Bon, t'as pas besoin de réponse, on sait de qui il s'agit, hein, voilà, clairement. Sans doute. Udi Rappé, vous avez trouvé ça comment? Ça peut surprendre au niveau du burst, et après, bon, ça s'éteint un peu. Je suis d'accord avec vous. Je pense que ça a un bon substitut avec le shield. Hein. Ouais, avec le shield, c'est sympa. Non, il y a un truc. Moi, je suis sûr qu'il y a un truc. Donc, voilà, Killis et Chaka, donc 2 joueurs en diamant. Enfin, un joueur, une joueuse, bien sûr. Et donc, qui montent un bar gaming à Nantes. Et si vous voulez soutenir, eh bien, c'est via My Major Company. Donc, n'hésitez pas. Le projet qui est sympa, ils ont déjà fait énormément de démarches, voilà, et vous avez le droit à des petites contreparties, ben un peu comme sur comme pendant. Actualise la page, s'il te plaît, Cardel. Alors, un peu comme pendant Tales of the Lane. Allez ! Et c'est monté, c'est monté. Merci, ça a dépassé les 2K. C'est cool, hein, c'est une étape. C'est une étape. Encore 84 jours, donc vous avez un peu le temps quand même. Ouais, du temps. Vous avez un peu le temps. Vous êtes confiant? On espère, enfin, on est confiant. Ouais. En tout cas, on va tout faire. On fait confiance à la communauté, donc. En général, elle est très motivée. Ouais. Donc, et puis vous avez fait les petits dessins marrants et tout. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé l'esprit, ouais. J'ai beaucoup aimé l'esprit.
Ça m'a parlé tout de suite. Ouais. On m'a essayé de faire parler. Avec la tête de Space Invader qui est colorée par partie. Ouais, c'est. Non, il y a de l'idée, franchement, j'aime beaucoup. Donc voilà, n'hésitez pas à les soutenir et à passer le mot si ça vous tente avec la petite image du Rise confédéré. C'est pas. Enfin, non, unioniste plutôt. Unioniste. Et écoutez, merci beaucoup d'être venu dans notre émission. Kélis, Chaka. Bah merci à vous de nous avoir invités. Voilà. Bah de rien, de parler du projet. Et vous avez fait du beau jeu, donc on est content. Oui. Noah et moi également, on a essayé. Voilà, Noah, merci pour ta présence. Bon, de toute façon, on se retrouve dans 2 minutes. Exactement, restez là si vous voulez voir du Shoot Mania avec Noah et moi aux commentaires. Ça va envoyer du lourd. On a évincé Yoshio, on a volé son émission. Ouais, voilà, ouais. On a fait un putsch. On est des putschistes avec Noah. Offensif. On est des putschistes. Ouais. Donc demain, on sera aussi dans Heart of the Swag. Et voilà, on est. Et le lundi dans Live Leader, c'est nous aussi. On occupe toutes les grilles de Gaming TV. On a décidé de faire un passage en forme général. Voilà, on va speedrunner Lego War. Oui, c'est une bonne idée. C'est une très bonne idée. je voudrais juste ajouter quelque chose. J'ai joué consciencieusement cette game. Voilà, c'était juste un petit mot. Certains savent pourquoi j'ai dit ça. D'accord. Ok. Donc petit private message. Ok. Bah écoutez, merci beaucoup d'avoir participé et merci. On rend l'antenne et on se retrouve dans 2 minutes pour Shoot Mania. Restez là. À tout de suite.